Ok, donc on va tous sur Yadar et on lui défonce son jardin. Mais c'est... non c'est... Mon jardin Et se lancer dans quelque chose de bien plus amical. Ah, regarde. Il y a des petits oiseaux. On a un petit peu de musique qui se lance pas. Je vais aller niquer ta meuf. Quoi? Mais quoi? Allez hop, coop. Et je vais essayer du coup héberger la ferme poil. Donc du coup c'était pas la ferme poil. On va refaire une autre ferme vite fait là tout de suite. Je vais baisser un peu le son de merde là. C'est très fort ouais. Héberger une nouvelle ferme, c'est parti. Alors comment on s'appelle? Ah, la ferme ta gueule. Allez, ça c'est marrant Marc, je prends. La ferme ta gueule. Ça n'a pas assez de place. On va appeler la ferme comment... gueule. La ferme... ferme de gueule. Ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. La ferme poil. Joseph. Pourquoi Joseph? Joseph Seed. Oh, pas con ça. Ferme en cul. C'est marrant, c'est pas marrant. C'est même pas un jeu de mots. C'est marrant, c'est pas marrant. Attends, on va faire une ferme standard. Ouais, parce qu'après ça va être un peu compliqué. Et une ferme attends, sur les collines, mec, une ferme en région sauvage. On est d'accord, ici personne ne sait jouer. À part Momo, je crois qu'il a vu les vidéos dessus. J'ai joué un petit peu, mais pas beaucoup, c'était il y a longtemps. Donc, Moi je sais pas jouer. Voilà, donc personne ne sait jouer. On sait qu'on a des outils et qu'on doit faire une ferme. Ouais. On va appeler la ferme les colonies. Voilà, impeccable. Oh, ouais. Chose oh, préférée, sodomie. Et non, comment on va l'appeler notre fermier, les gars? Mais, ah oui, c'est. Oui, bah tu le fais pour toi après. Oui. Comment on va l'appeler? Déjà, on va faire une gonzesse. Bah, moi, j'ai déjà mon truc de prévu, Russiane, mais... On va faire Monique. On va faire, tu sais quoi, on va faire... Adolphe... Ah, bon, ça se trouve, on peut faire un ersatz d'Adolphe, non? Regarde, si on prend une mèche sur le côté... Ah ouais, mais on n'a pas la petite stache mou. René Coty. Non, tu sais quoi, on va faire Monique. Quelqu'un avait proposé Monique tout à l'heure, on va faire Monique. Il faut juste des cheveux dégueux. Où est-ce qu'ils sont les cheveux dégueux? Eh bah écoute, ça, des cheveux comme ça peut aller. On va foutre un rose. Voilà. Affirmé, j'ai envie de dire, voilà. T-shirt, aucun. Oh, si, un t-shirt avec un crâne, mec, trop badass. Une jupe. Et comme accessoire, on va mettre une grosse barbe. Ah si, remarque, il y a peut-être des moustaches. Non, il y a pas de moustache en fait. Il y a des lunettes par contre. Allez, on va prendre des lunettes. Tu veux un gros chibre? C'est ça que t'es en train de dire? Un énorme chibre. Je comprends. Après, je comprends, mec. Hein. Un poncho. Il y avait un poncho. Pourquoi tu veux un poncho? Où ça? Dans les accessoires, il y avait un poncho. T'as craqué, mec. T'as cheaté. Il vient de craquer, mec. Hein. Wow, tu as craqué ton slip. Je l'ai mis. Ferme ta gueule. Cabane de départ. Je sais pas ce que ça veut dire. Change l'animal préféré, apparemment. Change l'animal préféré? Ah oui, animal préféré. Si tu mets pas un chien, t'es pédé. Non mais évidemment je vais mettre un chien, mais quel chien? Voilà. Y a un truc, un machin. Non, je vais prendre une espèce de petit berger allemand mêlé à un tank apparemment. Voilà, ça va être bien. Et puis on va partir sur une ferme standard parce qu'on a jamais joué avant. Donc hein, on essaye d'y aller tranquille. Attends, on peut pas changer la couleur du t-shirt? Non. Oh mec, y a une... Attends, je veux ça en fait. Voilà, là elle est bien Monique. Allez, c'est Tipa. Et du coup, vous pouvez me rejoindre sur Steam, je pense. Bah, faut qu'on. Non, faut un code, non? Enfin, vas-y, tu l'as créé ton truc là? Ouais, c'est bon, mais t'es là, tu m'avais rejoint sur Steam. Oula. Oh putain, j'ai un curseur. Oula. Ah oui, rejoindre la partie. Ah merde. Bulletin météo. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce délire? On rejoint directement via Steam. Ouais, via Steam, ouais. Ah, ok. J'ai des graines de panis. Panaïs. Panacé. 15 graines de panaïs. Là, c'est un petit quelque chose pour vous aider à la ferme. C'est quoi des panaïs? C'est pas celle qui chantait mon cœur, mon amour? Pas d'emplacement libre sur le serveur. Ah, quoi? Où ça? Comment ça? Moi, ça veut même pas rejoindre. Carrément. Ouais. Attends, quittez le jeu. Attends, je vais recommencer. comment ça se fait? Putain, on aurait dû peut-être checker un peu plus ça avant, non? Mm-hmm. Alors, héberger. Donc, du coup, comme on va avoir des. Non, je crois qu'on peut être à plus. Non, jusqu'à 4 max. Le nombre de joueurs, c'était où? C'est ça, en fait, c'est des cabanes. Ah, c'est des cabanes? Pardon. Tu peux changer le nombre de cabanes et... Bah je peux en avoir que 3 maximum. Bah... Ah. Ok, bah non, bah c'est éclaté. Non mais en plus tout à l'heure j'avais pas changé ça, Spider, et tu m'avais rejoint tranquille toi. Donc je sais pas trop en fait, attends. On va recommencer, je vais refoutre mes cheveux de merde, voilà, c'est pour s'en foutre. Attention, la peur... Ouais.
Voilà, impeccable. De quoi ? Si, toi le host et 3 autres trous du cul. Ah ! D'accord, ok. Peut-être que ça va aller du coup comme ça. Oh vache ! J'y suis. T'as suivi quoi ? Non, putain, on s'en fout de l'opening là, nique ta mère. Ah, je vais devenir le plus grand fermier du monde ! Pourquoi ? Voilà. Essaye de me rejoindre maintenant. Ok, ouais. Ok, il y a 3 emplacements. Oh pitié, je peux prendre mon tapis. Non, je veux pas aller dormir. Je relance le jeu. C'est laquelle du coup, si j'en vois deux moi ? Pourquoi j'en vois deux ? C'est les emplacements. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok, ouais. Comment on fait pour annuler ça ? Oh là là, putain, et lui, c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, mais comment on joue ? Je sais comment ça marche. Je veux fermer ça. Échappe à l'aide. Ok. Ok, d'accord, c'est bon, ça marche. Ok. Oh là 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 là, mec, j'ai aucune idée comment rien marche. Putain, mais moi, je peux pas rejoindre. Ah ouais, vous avez réussi les autres ? Ouais. Moi, il veut pas, je vais rejoindre la partie, mais je ne sais pas sur rien. Bah, je sais pas comment on peut faire du coup. Pourtant, j'ai mis bien 3 slots, mais. Bah, je sais pas, y'a même pas d'option en plus dans ce jeu à la con là. Mais merde. Normalement, on peut avoir un code d'invitation, non ? Je sais pas, social. Non, social, c'est dans le jeu, du coup. Alors là, mec, je sais pas. Vous, les autres, vous avez rejoint sans problème. Là, je suis dedans. Ouais. Vous êtes tous dedans. Et bah, Yadar, t'es un peu une merde. Réessaye, je sais pas, relance, fais des choses. Ouais, parce que je vois les 3 autres maisons, là. Je vois l'autre qui est sorti de chez lui. Qui sait, je sais pas, si le meuf, c'est toi, Spider, ouais. Ça ? Non, c'est moi. C'est Momo. D'accord. En plus, on voit même pas vos noms. Attends, comment on fait pour voir les noms ? Afficher les portraits des marchands, afficher les portraits... Bah ça, on s'en fout. Changement de jeu ou alors Yadar est exilé. C'est quoi C'est gratuit, ça. C'est quoi ton perso, toi ? Pourquoi il est comme ça ? Pourquoi on dirait Sid Vicious ? Putain, on peut même pas se buter, quoi. Qu'est-ce non, que... Non, bah ça veut pas, ça fait chier. Ah, il s'appelle l'Holocaust. Ok. comment bien démarrer ? Non, mec, je sais pas du tout comment faire. J'ai l'impression que c'est pas vraiment de ma faute, en fait. Ah, s'il y a d'autres trucs en fait. Et d'un coup, il a cheat et il a interdit d'accès. Ah, invite un ami. Ok, attends. Là, ok, c'est bon. Je viens de t'inviter, regarde si ça marche. Du coup, il y a plein d'options en fait. Volume sonore, volume de la musique. Tu pas créé de perso. Ah, ta gueule. Ah. Non, tu te crées en rejoignant. Bah, parce que j'ai essayé de rejoindre, enfin, j'ai cliqué sur l'invite et ça veut pas. Je veux vraiment pas que je joue avec lui. Même là, ça marche pas. Ouais, non. Ami uniquement. Faut voir si je fais inviter uniquement, c'est ce que ça fait. Yadar, vas-y, viens, essaye. Jouer ou joue ? On peut pas foutre. Expliquer connexion IP, autoriser la création de nouveaux personnages, ouais, ok. Mais dis que ta mère, laisse-moi jouer ! Bah écoute, moi je sais pas comment faire. Hein. Ah, c'est bon. C'est bon ? J'ai une connexion. Ah putain, Eddie ! Oh là là ! Enfin, on va pouvoir défoncer sa maison. Comment on fait afficher la liste des... Fermier sans nom, Steam 1117256737. J'adore si ce mec. Raquer, c'est moi. Non. C'est moi. On peut pas avoir les noms des gens avec qui on est tout le temps. C'est chiant, ça. J'aurais bien voulu voir mes copains, quoi. Je suis en train de ramasser des tonnes de fibres. C'est bien, commence bien, mec. Enfin, des fibres, des chibres. Il y a des gens qui ont bien... qu'ont commencé... Enfin, qui savent comment jouer ou quoi, pour nous aider. Parce que là, je te promets que ça va être compliqué. Déjà, il faut ranger tout le bordel. Je vais commencer à abattre cet arbre avec une hache et non pas avec un marteau. Voilà. C'est quoi la maison qui est éclatée à gauche, là ? Je sais pas. C'est un truc que je peux débloquer après, je crois. D'accord, ok. On peut ramasser ça. Est-ce qu'on peut ensuite fendre les bûches ? Oui. Ok, j'ai vraiment jamais joué, j'ai jamais vu de gameplay, je connais rien du tout au jeu, quoi. Déjà, on peut dire que c'est joli. Oui. Ça fait un peu Terraria. Oui, un peu, ouais. C'est la serre ou là où tu mets les animaux. Est-ce qu'on peut avoir des chiens ? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des chats pour les tuer et les manger ? Non. Ah, ça sert à quoi qu'on joue, quoi. Tu peux avoir des chats. C'est Harvest Moon.
Et du coup, Harvest Moon, c'est comment? Parce que j'ai jamais joué à Harvest Moon non plus, moi. En gros, tu veux le gameplay loop, vite fait? Vas-y, donne-moi le gameplay loop, j'aime bien quand tu me parles comme ça. En gros, donc, une journée, tu peux voir ton horloge en haut à droite. Ouais, d'accord. Là, on est le matin, par exemple. À midi 50, oui. Oui, bon, ouais, ça va. Oui, bah, c'est le matin. Et, en gros, faut que tu t'occupes de ta ferme. Donc, normalement, t'as reçu des graines. Oui, je l'ai créé, des graines de pénis ou je sais pas quoi, là. De panais. Ouais. Comme le poisson. Donc voilà, tu peux les tu peux les planter. Sinon t'as de la pêche aussi. Oh ça c'est trop bien. À côté t'as un village où t'as des PNJ et t'as plusieurs trucs qui ont lieu. Tu peux leur parler, etc. Tu peux augmenter ta relation avec eux, etc. Tu peux même ken sale. Non. Mec, tu peux ken sale, mec. Mais c'est un truc à la Age Doom, tu sais, avec des cœurs, avec des cum pools. Et ouais, c'est plus ou moins ça. En gros, t'as toute ta journée. Tu fais prospérer ta ferme tranquillement. Tu vas parler aux gens, ils te disent des trucs, ils te disent des nouvelles. D'accord, ok. Donc en fait, c'est une simulation de glande quelque part. Plus ou moins, oui. D'accord. Et bah écoute, impeccable. On est super fort à ça d'habitude. Bon, bah, et bah écoute, c'est là où on est le plus balèze. Oh, attends, faut mettre de l'eau sur les panais. Ouais, faut mettre de l'eau sur les panais. Ouais. Hop, panais. On a fait un petit champ de panais du coup entre la serre et la maison de Yadar, je crois. Vous commencez à être épuisé. Déjà, mais j'ai rien branlé. Bon, j'ai juste abattu 16 arbres. Ouais, t'as ton énergie en bas, ouais. J'avais oublié ça. Le surmenage vous rend faible, c'est rien. Et comment tu peux le re-remplir en mangeant? Oh, je peux manger. C'est quoi ça? Je peux manger des fibres. Comment on fait pour manger ça? Attends, c'est quoi ça déjà? De la sève. Ah non, ça va pas être bon à manger. Attends, je mange de la sève. Tu peux? Attends, c'est pas bon. Faut faire comment? Clic droit, j'ai fait. Non mais j'ai joué à la manette, moi. Putain, c'est de la merde, la manette. Ouais, j'ai essayé de jouer à la manette une fois et puis ensuite j'ai arrêté. Oh putain, ah ouais, non, c'est horrible. Vas-y, remets ça là. Voilà, ouais, mais c'est okay. Bon, en fait, ça va, t'es sur le point de vomir pendant quelques secondes et après ça va. Attends, faut que je refasse les touches par contre, les gars, parce que ce connard de jeu, il est en WASD. Votre H n'est pas ouais, moi j'ai switch. Ouais, t'as fait Alt Mage. Ouais, en anglais. Ouais. Bah écoute, accès à la carte, est-ce qu'il y a autre chose que je dois changer là? Non, rien. Oh, bah écoute. Va à droite sur la map, il y a des choses à ramasser. Attends, je vais juste aller dormir avant. Ouais. C'est à qui la maison qui est super classe en pierre là? Vas-y, je veux aller là-bas, moi. Je peux dormir dans le lit des autres? Attends, c'est la mienne Attends, on peut pas voir sur la boîte? Comment on re-rentre chez soi? Ah, faut attendre. D'accord, faut attendre que les autres dorment aussi en fait. Ce n'est pas votre boîte aux lettres. Bah attends, c'est laquelle du coup, la mienne? Si l'énergie se remplit en fait peu à peu, mais si vous dormez pas tous en fait, du coup le temps passe pas. D'accord, je comprends. Bah attends, je crois que t'es allé dans ma baraque par contre. Ah, donc ouais, ça, c'est ouais, mais je m'en fous. Bah attends, ils arrêtent pas de dire que c'est pas ma boîte aux lettres, mais c'est laquelle la mienne? Vous n'avez pas de courrier? Ah bah en fait, la mienne elle est là. Toi, c'est celle en bois, celle de Momo, celle en pierre, j'imagine. Oui, je crois, ouais. Toi, c'est ici, celle en clair, et du coup, moi, c'est l'énorme là. D'accord. Et vous dormez dans des cabanes comme des gros guets. Putain, je suis en train de voir, j'ai cliqué du coup sur la télé, je fais clic droit. Petit guide pour les néophytes, couper du bois et faire la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte. D'accord. Tu peux juste te reposer dans le lit, c'est cool. Ouais, du coup, tu peux un peu glander dans le lit en attendant que les autres se couchent. Le ghost se couche tôt. Ça m'étonne. Ça dort pas beaucoup, hein. Comment on fait? C'est où les trucs à bouffer? Il y avait quelqu'un qui a dit qu'à droite il y a des trucs à bouffer. Attends, je vais voir. C'est le village à droite? Ouais, à droite t'as le village. Ok, je vais aller voir. Là, ah ouais, viens, on va marcher tous les deux. On a fait les filles de Blazkowicz. J'aurais pas dû dire ça. Alors non. Déjà que je t'aimais pas beaucoup avant, mais. Vas-y, viens, faut trouver quelqu'un à draguer là. J'espère qu'il y a des romances de PD, hein. Oh, oui, attends, je fouille dans les poubelles. Hé, hey, arrête ça, Burk. Mais nique ta race, je fous dans les poubelles si je veux, Alex. C'est quoi ça? Tu peux voir les trucs. Les petites annonces, d'accord. Ouais, tu peux voir les anniversaires puis les petits events. Parce que du coup, ouais, si t'offres un anniversaire... J'ai rien, là. Ils sont contents. Ils sont d'accord. Contents, ouais. Shane, Emily, Pierre... D'accord, ok. D'accord. Alors, du coup, chez Pierre... Attends, oh, il y a une grotte. En fait, c'est marrant parce que j'avais joué à... comment? Graveyard Keeper. Et c'était exactement pareil, sauf qu'il y avait plus de monstres et que tu pouvais démembrer des gens pour les revendre.
Attends, faut, par contre, faut voir s'il n'y a pas de la coop sur Graveyard Keeper plutôt. Appuyez sur F et t'as un journal comment bien démarrer. Si vous voulez vivre la ferme, vous devez commencer avec des bonnes bases. Utilisez votre houe pour labourer le sol. Un paquet de graines sur le sol labouré pour semer vos récoltes. Arrosez tous les jours jusqu'à ce que la récolte soit prête à être cueillie. Putain, mais Pierre, il est pas au magasin. Mais Pierre, tu prends. Ah, il est 19h30, c'est peut-être un peu tard, c'est ça? Ouais, peut-être. Du coup, faudra peut-être revenir, genre pour lui vendre nos bûches ou des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça par terre? C'est rien. Attends, faut voir, je peux pas. Où est ça là? Je peux pas où est ça? Ça se fouait pas ça? Russienne, c'est un raccoon. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as cru dans les poubelles, non? Je vois une poubelle, je fous dedans, je vois pas ce qui est fou. Attends, y'a une plante ici, j'ai l'impression que c'est de la drogue. Je crois qu'il y a du pavot, c'est quoi? Il va faire nuit, hein. Oh, une jonquille! Bah, il se passe quoi, on se fait attaquer par les monstres ou. À votre place, j'irai me coucher, hein. Y'a des monstres dans le jeu, y'a des épées, on peut se battre? Oui. Oh, c'est cool! On va se péter. Attends, je vais dormir avec Poléon. C'est quoi? Je suis pas particulièrement pédé avec Poléon. Il est où, Popo? Ah, t'es là, Popo. No. Yes! Yes, je dors avec Momo, c'est bon, je suis immortel. Tu me défends. Ah, du coup, en fait, pour vendre des trucs, faut le mettre dans le coffre devant soi. Je viens de tout mettre dans mon coffre, du coup, déjà. Oui, ouais, tout de suite, mets dans le coffre, ça sera vendu. D'accord. Ah, tu peux encore aller le chercher si tu veux. Hein, mais... Non, c'est bon, je suis en train de pioncer. C'est qui pionce pas encore là? Il est là? Oui. J'étais en ville. Tu peux venir hein, si tu veux. Voilà. Moi, si tu te couches pas avant 1h du mat, tu tombes dans les vapes et tu régènes quasiment que dans l'énergie. Ah d'accord, et ensuite t'as des récompenses selon ce que voilà. t'as livré en fait au coffre en bois, d'accord. Et par contre, c'est pour tout le monde ou quoi la thune? Ok. Je crois que c'est partagé entre tout le monde. Ouais, c'était dans les options au début et j'ai foutu le partage, ouais. Parce qu'on est tous des amis et qu'on joue jamais au Uno. Yes. Allez. Ah, j'ai bien dormi. Yon, t'as lâché les caisses toute la nuit, Momo, c'était super. Je viens de rentrer une excursion de pêche, je devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi et c'est du vieux Willy. Par contre, il est où le coffre en bois là que tu disais? Il est là à côté de ma maison. Oh, moi aussi j'ai des trucs. Je viens de rentrer l'excursion de la pêche, je dois revenir à la place un de ces jours. J'ai vu quelque chose pour toi, Willy. D'accord, Willy. J'arrive, Willy. Direct dans la plage, c'est où? Au sud du village avant 17h. Vas-y, je vais voir Willy. Ouais. Venez, on va voir Willy, les gars. Ouais, j'y vais. Vas-y. Attends. C'est à droite là? Et vu que t'étais exténué, t'as régène que d'énergie. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup. En fait, je suis qu'à la moitié. Attends, mais c'est où là, la plage? Retourne te coucher, c'est au sud du village. Non, je retourne pas me coucher, je m'en fous, moi je vais m'évanouir, je m'en bats les couilles. Hein. Sud du village, c'est loin. Brum brum. Brum brum, grosse couille. Égout. Ah. Putain la vache. Bah la voilà ta cabane, Yadar. C'est marrant, hein. Bon, trop chier. Bon, il est où là, Willy? Oh. Ah, mais c'est un vieil alcoolique en fait. Vas-y, ça m'intéresse pas. Fais-nous qu'à la pêche, moi je veux juste payer et pêcher sa mère du poisson là. Les égouts ils sont verrouillés. J'ai ramassé un gland. J'ai ramassé Yadar. C'est vraiment pas nécessaire quoi. C'est trop chier. Oh, ça mord. Oh pitié, faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah d'accord. Faut jouer à Flappy Bird à moitié. Ah mais attends, mais t'es une canne à pêche. Attends. Ouais, il t'enfile une quand tu vas en fait, quand tu vas voir Willy. Et boum, la poisson. C'est quoi? Oh, un poisson lune 13 cm, dis donc. Eh bah écoute. C'est super. Qu'est-ce qu'il y a chez lui? Qu'est-ce qu'on peut faire lui? Ouais, c'est agréable d'avoir des jeunes gens s'installer dans la vallée. C'est pas très courant pour ici. D'habitude, ils viennent, ils violent nos femmes. Y'a quoi ici? C'est fermé, ouvert de 9h à 17h. Ah d'accord. Ça va être beaucoup trop chill. Par contre, quand est-ce que ça mord là? Oh non, merci, Louis. Putain, je peux pas buter des. Y'a des salopes là. Attends. Les fameuses. Voilà. Du coup, okay. Faut remonter. Ah, ça mord chez quelqu'un là. À droite. C'est qui? Ouais, chez moi. Et du coup, tu fais quoi? Bah. Ouh, 15 cm l'anchois. C'est assez chill, j'aime bien moi. Ça mord. Ça fait du yam. Cliquez pour. Non, reviens ta mère, reviens ta. Putain! Vas-y, ça m'intéresse plus. C'est. J'ai grandi et je m'en fous maintenant. Oh, un coquillage! Non, c'est une palourde! Comment on fait pour manger la palourde? Vas-y, je vais manger des palourdes. Ça se mange pas, les palourdes, c'est de la merde, c'est dégueulasse. Mais attends, mais mec, c'est soit ça, je m'évanouis. Bah, évanouis-toi. Ah. Super, bravo. Sur un message. Bravo. Putain, c'est fermé ici, sa mère. C'est le jeu du chill. Ah bah ouais, de ouf. Mais par contre, attends, on a combien d'emplacements d'inventaire? Si t'appuies sur E, tu les vois. Qui c'est qui vient de jeter de la sève?
Mais... Attends, vas-y, je vais rentrer à la maison. C'est quoi ? Ah oui, mage, d'accord, avec mage, on peut marcher. Et du coup, attends, les deux emplacements qui sont en dessous, c'est quoi ? C'est du stock ? Non, on n'a pas accès. Les deux... Oui, on n'a pas accès encore. Oh. Comme Animal Crossing, faut ramasser les coquillages le matin et les revendre. D'accord, et je peux aller voir... comment il s'appelle ? Pierre ? C'est ça, Pierre ? Vous n'avez vraiment pas de peau, Pierre ? Attends, je vais remonter là, je vais essayer de lui vendre les saloperies que j'ai ramassées littéralement par terre. Attends, je vais manger le poisson de ligne cru. Ah, ils ok, ils ok. Mmh, vraiment. Alors c'est quoi? Chez Pierre, il y a des trucs. J'ai besoin d'achigan. D'achigan. À petite bouche pour préparer une casserole, Penny. Rends Penny heureuse. T'inquiète que là... Mon Penny aussi. Il est où, Pyro? À vendre. Au début c'est chill, après tu cours partout en mode putain c'est la fin de la saison et mes plantes sont à mi-hauteur. Ah oui d'accord, donc en fait, non, je peux pas directement lui parler pour lui vendre des trucs? Si? Ah si, je peux quand même lui vendre des jonquilles et des graines de panais. Bonjour madame, elle est bonne elle, les mecs. Vas-y, on peut lui parler. Bonjour. Les étiquettes. Bonjour, moi c'est Nicolas. Et c'est vrai, j'ai entendu dire que quelqu'un allait emménager dans cette ferme. Et putain, il me kiffe pas, vas-y, prends un coquillage. Tiens, tu veux une palourde? Tu m'as apporté un cadeau, merci. Eh mec, elle me kiffe de ouf. Prends une autre palourde. Tu commences à draguer des meufs à base de palourde. T'as à base de palourde. Tu veux pas un poisson gris? Tiens, prends des feuilles. Aime-moi. Putain. Vas-y, je me casse. Abigail, la geekette. Oui, c'est une goth girlfriend, mais de ouf, mec. Vas-y, je vais retourner à la maison, je vais retourner travailler, je vais revendre des trucs, y compris ma dernière palourde. Est-ce qu'il y a du craft dans le jeu ou pas? Je sais plus. Ah, puis il faut que j'aille rendre Penny heureuse aussi. Rendons Penny heureuse. Tu as déjà fait celle-là. Ah, putain, de... Ouais, de... comment on fait? Du coup, j'imagine que si je vais dans ma maison, par exemple, et que je possède un four, j'ai... Oh, non, j'ai une cheminée. Tu veux pas plutôt me mettre chez moi, s'il te plaît, ce serait plus cohérent. Et si je fous le feu, le poisson dans la cheminée? Je peux pas. Manger poisson lune. Bah oui, mais non, je voulais le foutre dans la cheminée, non, le cuire. On peut pas le cuire? Comment on fait pour cuire? Faut construire des trucs? Je pense qu'il faut construire des machins pour cuire ou faire du craft, en fait. Oui, si. C'est si, ça, de hein, mémoire, il y a du craft, oui. Ouais, c'est comme... C'est qui, ça? Ah, putain, c'est Spider. Oui, bah oui, en fait, quand vous appuyez sur E, vous avez un truc craft, en fait. Oui, artisanat, exact. Coffre, portail, clôture en bois, chemin pavé, feu de camp, bière... Ah, oh, d'accord, ok. Mais il y a pas de truc genre... On peut crafter une map? Non, tu peux. Il y a une map. Ah d'accord. T'es pas obligé de la crafter. Ah oui d'accord. Ah oui, c'est ferme cul. J'ai oublié. J'ai fait trop d'accord. Ok. Bon, et bah écoute. C'est bien. On est bien parti, je trouve. Et, franchement, il y a pas moyen de mal partir dans le jeu. Mais donne-nous un peu de crédit, putain. Ok. Non. Bah je vais continuer à éclater les arbres. Et ensuite les revendre. Il a changé. C'est le PTSD, ça, mec. Tu veux pas comprendre? Voilà. Après, tu tombes dans une spirale infernale. En fait, oui, je sens que pour le début, t'es tranquille, c'est tout sympa, c'est ha ha ha, trop mignon, les graphismes et tout. Et finalement, tu te retrouves à te suicider dans ton hangar comme les exploitants français. Voilà. C'était pas une vanne, hein. C'était juste triste. Absolument pas. Faut les arroser chaque jour, les plantes. Ouais, je crois. Attends, ça, je vais casser ça. Sachant aussi que ce que tu plantes, faut changer ça en fonction de la saison. Ouais. Oh là, c'est bon, c'est des panais, là. Putain, chier. Oh, les panais. J'ai quoi? J'ai de la pierre. Parce que du coup, on a pas de coffre chez nous pour l'instant, je crois. Est-ce qu'on a un puits ou quoi, là? Je sais pas. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on peut rien stash chez nous. Pour l'instant. Non, ça, on s'en fout. Bon, en fait, on peut rien stash chez nous pour l'instant. On peut juste revendre. Donc il faudrait qu'on construise un coffre, en fait. T'exténue pas, repose-toi avant, il y a un puits. T'exténue pas. Et toi, tu t'exténues toi ou pas? Moi tous les soirs je m'exténue. Vas-y, je vais dormir alors. C'est pourquoi j'ai un trou dans mon parquet, nique sa mère. Nique sa mère. Il y a qui t'a piqué du parquet. Nique sa mère. Allez, je vais dormir. Tu finiras par dire merci au ciel pour les jours de pluie. Ah, ça a l'air chill. Ouais, j'aime bien devoir prier Dieu. Ah, j'adore. J'adore prier Allah pour pas mourir de faim. Attends, par contre, il est où ton puits, là? Tch, attends. On va tous devenir islamistes avant la fin du stream, en fait. Devenir... C'est important, gestion d'endurance et mettre en route la ferme.
Je vais te mettre en route, toi, tu vas voir. Karim. Et du coup, faut aller voir si Graveyard Keeper, il est pas en coop, parce que du coup, c'est plus hardcore que ça. Parce que les gens, ils te ramènent des cadavres et t'as une gestion du karma, tu peux démembrer les cadavres pour revendre à un mec, ou alors tu peux enterrer les cadavres. Et en fait, ça ressemble exactement à ça, et c'est quasiment le même loop au niveau du gameplay, tu vois. Donc, faut jouer avec des panneaux. Ouais, c'est ça, y'a pas de panneaux par contre. Parce que tu peux aussi visiter des catacombes et puis il y a des monstres, etc. Tu vois. Et mais par contre, je sais pas du tout s'il est en coop. Je crois pas. Hein. Elle est où cette pute? La chienne. Penny. Penny. Putain, il va la satisfaire avant moi. Genre mon Penny. Je vais me faire cuck. Y'a pas de panneau. T'as pas le droit. Oh non. Putain, on avait réussi à pas en parler de tout le stream. Ah, putain. Après, il a raison, il y a pas de panne. Les panneaux, ils bougent pas. Fais chier. Ok. Je vais faire Graveyard plutôt. Bah, c'est-à-dire que si tu peux pas jouer en multi à Graveyard, c'est chiant, tu vois. Pour le coup, Stardew Valley doit être plus sympa avec des copains et Graveyard doit être plus sympa tout seul, c'est tout. Je me vois pas vraiment jouer à Stardew Valley tout seul, personnellement. Ok, j'ai vu le puits. J'ai remarqué le puits. Et pourquoi tu cherches un puits en fait? Je vais un puits, c'est un petit lac en fait. Bah parce que faut arroser les plantes. Ah oui, au sud, ok. Et bah du coup... Il faut de l'eau. Voilà. C'est bon, ouais, j'étais juste en train de rouler ma clope, Ombrageur, merci beaucoup. Alors, faut que j'aille pêcher les trucs pour Penny là. Mais elle est où? Pourquoi tu veux la satisfaire? Penny la gorge profonde, on l'appelle. Elle est où? Oui, ouais, on sait pas où elle est en fait. Elle est où? Oui. Est-ce que je peux te voir? Il va faire nuit par contre, les gars. Oui, attends, oui. Ah, t'es au cimetière? Non, t'es à la place centrale. Je vais vendre toute la sève que j'ai là. Putain, je suis plein de comment sève. Tu vas plus dormir de la nuit. Oh, excuse-moi, attends, maman. Comment je fais pour rendre la quête en fait? Faut juste lui filer les trucs, non? Bah, j'ai été lui parler, m'a rien dit. Et t'as réussi à pêcher les trucs? Elle était là. Oui, j'ai pas acheté. Un petit. Ça, maman. Attends, la nuit, on peut fouiller chez les gens, du coup. Oh, mec, ah non hein. Attends, non, mais le mec, il s'est dit, putain, c'est attends, bon. Attends, je peux piquer la bagnole, non, Tony. Mec, les gens, ils sont pas là pour voir que je fouille dans leur poubelle. Putain, y'a un mec qui vit dans une caravane. Il faut lui donner son poisson. Attends, mec, on peut fouiller dans les poubelles. Pour la mais elle est où? Attends, je peux pas. Est-ce que je peux éclater la poubelle? Non, je peux pas non plus. Attends, sa mère. Pourquoi j'ai pris un bol? Putain, on peut pas fouiller cette poubelle, là. Je peux pas piquer le courrier des gens et tout. On peut pas vraiment être un criminel dans le truc, c'est dommage. Après, t'es là pour être un fermier, pas un criminel, quoi. Eh, vas-y, elle est où la différence? Vas-y, elle est où la différence? Vas-y. Coucou, Poun. Coucou. Coucou, Poun. Vous allez tous dormir c'est pendant bon. Que moi je suis à bloc, c'est ça? Ouais, moi il me faut de l'énergie, moi. Ok. Mais elle est où, cette connasse? Mais elle dort. Oui, par contre, elle doit plus être là, du coup, elle doit dormir. Comme les autres. Chut. Là, je vais vendre. Moi, je vais de dormir. Je vais vendre mon coca, tiens. Non, tu sais quoi, je vais vendre mon poisson aussi. On va se faire plein de thunes. Mais il va falloir qu'on fasse vraiment des grosses fermes de bâtards. Grosses fermes de bâtards. Bah, déjà, faut qu'on terraforme. c'est pas comme ça qu'on dit. oui, Hunter, je dors. L'Holocauste dort mais ne se repose pas. Des fois tu vas voir dans la terre des espèces de vers de terre, il faut creuser à la houe et là t'auras un trésor. Oh, putain, on peut faire de la chasse au trésor et tout. Niveau 1, cueillette, compétence de hache, les arbres donnent parfois des graines. Oh non, j'ai passé un niveau, dis donc. C'est sympa. Total. Eh mais qu'on s'est fait de la thune. Mais ouais, mais qu'est-ce qu'on va en faire là? Ils ont les marques. Jeter des guns. Ça viendra. Des gros fusils à pompe. Bah, acheter des guns. À coup de batte, à coup de crosse, de fusil à peu près. Oh putain, il pleut, dit. Oh, il pleut. Oh, attends, il y a un corbeau, il est en train de chicaner mes trucs. Si, là, fais t'as la grenouille. Ah, faudra faire des. Pourquoi t'as pris l'accent? Je sais pas. Votre hache, c'est pas assez solide pour casser cette souche. Ah ouais? Faut une proto-hache? T'as vu ta gueule? Proto-hache, les fameuses. La proto-hache qu'on utilise pour la terraformation, ouais, je comprends. Ouais. Moi aussi, j'adore tout ce qui est fermage. Fermage de gueule. Le mieux, c'est que chacun se spécialise. Mais on n'est pas là pour min-maxer le jeu après, hein. Oui. Théorie craft, c'est bon, quoi. On est là juste pour éclater la nature.
et la rentabiliser un maximum. Voilà. Attends, je vais aller au schéma. Épouvantail, Russian. Quoi ? Tu fasses des épouvantails parce qu'il y a des corbeaux qui attaquent nos champs. Mais c'est pas grave, il nous faut juste une carabine 22 comme on faisait avec mon père. Pourquoi tout de suite utiliser des trucs éclatés comme ça ? Oh, c'est quoi ? Attends, c'est une petite graine de truc qui vole là. Tu sais, tu les lâches en l'air et ça fait. Ça fait petit hélicoptère, tu te souviens ? T'as pas vu les Goonies ? Attends, je vais vendre mon gland, lol, des fibres. Ah, elle rigole pas ! Voilà. Comment ça se craft un épouvantail ? On peut rien écrire sur les panneaux. Oh, j'ai le seum. Tu voulais écrire No Jews Allowed ? Oh, peut-être, tu sais pas. Artisanat. Je peux pas faire d'épouvantail. C'est qui lui ? Eh, hey, monsieur, je te baise. Oh, c'est Shane. Cet homme me donne soif. Moi. Putain, je peux crafter un casse-croûte. Attends, pour crafter un casse-croûte, il faut un gland, une graine d'érable et une pomme de pin. Ça va pas être top top non plus, hein. J'aime bien l'idée de manger de la terre, mais là. Et tu sais, les aliens. Alors ça, c'est raciste. Non. Ça dépend. Y'a des meumeux, mec. Y'a des meumeux. Oh, j'ai une case, dis donc. Vous avez des animaux ? Pas encore. On y travaille. Tranquille. Première. Par Spider. Eh, ta race. c'est notre premier. Comment on dit ? Notre premier objectif, c'est de ramasser au moins 60 chiens. Et ensuite, on verra pour le champ et tout le bordel là. Ouais, en fait, on fait 30 millions d'amis. Franchement, ouais. Ouais. Franchement, ouais. D'ailleurs, je sais pas, Nick, il est là ou pas ? Oh. Il y a des poules. Pourquoi je suis content parce que Il y a des. Tu peux avoir un poulailler, hein. Putain, j'ai trouvé une géode. Plein de. Yes, les meumeux, Cyber Spider. Bah écoute, ça me fait toujours plaisir de trouver des animaux et de les enfermer dans des cages. Pour ensuite leur foutre un coup de pistolet pneumatique sur le visage. Comment on fait ? Il est où le forgeron, mec ? J'ai trouvé une géode. Je veux voir ce qu'il y a dedans, moi. J'ai tout à droite, je crois. Oh putain, il faut qu'on construise une grande grange. Grange. Ou un poulailler. Forgeron, il est là-bas. Ouvert de 9h à 16h. Putain, il est 10h. J'ai le temps. Mec, on peut acheter de la paille. Un radiateur. Attends. Moi je veux aller voir ce qu'il y a dans ma géode déjà là. Oh, putain. Ville en bas à droite. C'est quoi ici ? C'est ça ? Non, attends, je suis où là ? Vous n'hésitez pas. Ah, Marnie, je peux te parler s'il te plaît ? Ça te dirait de faire du sexe. Putain, vas-y, mais comment je traverse ce fleuve incontournable ? Comment on offre des trucs aux gens ? Je veux contourner la faille que l'on ne contourne pas. Ça ne vaut rien, je te comprends pas. Putain, la pute, Ah, comment elle t'a pas calculé ? Eh, tiens, prends un caillou. Oh, mon caillou. C'est où ? Forgeron, c'est au-dessus, Putain, je me suis fait recaler par une fermière, quoi, la teon. Frais chier. Hein. La teon. Bonjour, gros bâtard, je veux une géode, là. Seuls les amis de Léa peuvent entrer. Vas-y, je suis ton ami, là. Et quoi dans ma géode ? Oh, super, du gaga. Non, de l'argile. C'est pas mieux, Attends, c'est qui a dit ouais, si tu ouvres les jottes, t'auras des trésors. Yes, de la boue, mais qu'est-ce que je vais faire avec toute cette boue? Plein de trucs. Ah putain. Tu vas faire des constructions, tu vas faire comme dans Ghost. Attends. Je vais aller voir le forgeron parce que je veux voir s'il vend pas des trucs genre des épées, des guns, un truc, tu vois. Construire des pots. Pourquoi faire, on va à Ikea. Bonjour. Où est-ce que je peux avoir un Pokémon? Minerai, charbon, minerai. Le forgeron, il a que des minerais? Fournaise professionnelle, il a que des minerais ce gros bâtard. On peut pas lui acheter des. Putain, un calibre. Construire des pots. Attends, vas-y, personne est dehors, je peux peut-être le fouiller chez lui. Putain, il a rien dans ses poubelles. Quoi, mec ? Started from the bottom, now we're here. Ok. Je vais retourner à la maison, je vais foutre en vente ce qu'on a déjà. Je sais pas trop à quoi j'ai remarque de vendre, t'as raison. Parce que pour l'instant, en fait, je sais même pas où on va acheter des trucs. Bah, pour l'instant, ça se débloque au fur et à mesure. J'ai une infirmière du coup qui voulait vendre des trucs. Mais il faut construire d'abord des poulaillers ou des trucs dans le genre. Vas-y, je vais aller voir chez Pierre. Bonjour Pierre, fermez le mercredi. Fermez le mercredi ? Et on est mercredi. Mais pourquoi le mercredi en plein milieu de semaine comme ça, c'est le Shabbat ou quoi ? Bah ouais. Oh bah, pas chez moi. On dit on va le retrouver, Pierre. Il va être planqué sous les lettres du parquet encore. C'est quoi ici ? Oh putain, y'a un bus ! On peut aller où ? Attends, on peut aller nulle part en plus. C'est quoi ? Le bus pour le désert de Calico est hors service. Ah, y'a d'autres maps ! Ah ouais ! Mercredi, ils ont messe noire. Ah ouais, c'est un petit peu comme dans Hot Fuzz.
Alors, Sève, bois, oh, pierre... J'ai un poisson qui fait 30 cm. J'ai un énorme poisson. Et encore, tu n'as pas vu mon chibre. C'est... Marrant, oh, ouais. C'est quoi, je comprends pas. Ah, on peut mettre des trucs dessus, tiens, regarde, je vais mettre du caca sur... Voilà. Il y a un panneau caca juste devant chez moi, c'est tout ce qu'il me faut. Alors... Hop, voilà, je mets mes graines nulles, là. Maman dit qu'il faut pas parler aux inconnus, mais tu n'as pas l'air de quelqu'un de méchant. Yes. Avec ta tête de victime. Wesh, vas-y, ta maman, à quel âge, là? Oh, elle est fraîche. Elle est fraîche ou pas? Tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé. Comment ça, le logo? Je te voyais moins manchot. Est-ce que tu penses qu'on peut pêcher dans notre petit lac tout pourri, là? C'est marrant, je peux pêcher n'importe où. Ah ouais. Ah, c'est cool, en vrai. J'ai pas lancé très fort. Vite, c'est le nom de son poisson. C'est marrant, ça. C'est vrai que c'est drôle. Joue au sol. C'est bien, la pêche, aussi. Hein. Ah, c'est calme. C'est calme, la pêche. J'adore attendre devant du bleu pendant longtemps. Oh, super, une canette de coca, Lyon. Décidément. On va manger pendant des jours. Merci Foxy. Merci Foxy. Un premier homme à pêcher et il trouvera des canettes de coca toute sa vie. Oh super, des déchets. Et allez, non merde. Attends, non mais c'est ce qu'il dit, tu trouveras rien dans le truc. Dans ce truc, y'a pas de poisson. T'as trouvé quoi, toi? Un journal. J'adore ce truc. Attends. Comment est-ce qu'on peut crafter un poulailler? Bonsoir. Collection, artisanat, coffre. Oh, on peut faire un coffre. Il faut. Oh, moi, j'en ai rien dans ma maison, moi, de coffre. 50 bois. Ouais. T'as un autre, il se fait. Oh, c'est quoi? Un CD cassé. Oh, super. Putain, je suis extatique. Attends, je vais foutre tout ça dans notre coffre à merde, là. T'en connais les mots savants. Franchement, ouais. Vas-y, je balance tout, je m'en fous les déchets. Tiens, je vais garder le coca quand même. Comment on fait pour boire le coca? Ah, comme ça, ok. Pourquoi il y a des mecs qui ont foutu des coups de ou un peu partout? Franchement, mec, je maîtrise pas tout. Merde. Vas-y, je vais faire un coffre moi aussi, tiens. Parce qu'il n'y a pas de raison. En gros, ouais, qu'est-ce qu'il dit pour les poissons? C'est soit l'étang, soit. Soit la mer. Oh, super, une pomme de pin, je vais pouvoir me crafter un sandwich. T'as des rivières et tout, hein. 76 cm, mon gars. Énorme Chibrax. Mon réseau Chibral s'étend. Pol Pot dort. Il dort jamais vraiment. Attends, je vais être exténué si ça continue. Ouais, moi aussi je suis. Attends, je crois que je peux me crafter un casse-dalle aux plantes encore là. Et les mecs qui brûlent rien de leur journée, ils sont fatigués. Là. Il faut quoi? Ah, il me faut un gland. Devant la gueule. Marrant ça, t'es dit. Frais chier. Moi ça me ferait chier hein, qu'ils le prennent comme ça. Non, d'un mec qui s'appelle Geoffrey. Non, on commence pas. Attention, hein. Attention, les gars. Hein. Attention. Tu peux le décreuser, le gland. Genre. C'est terrible de te décreuser le gland. Ça m'arrive un peu trop souvent, même. Comment je fais pour jeter ma fibre? À toi, nique ta mère, Guillaume. Voilà, comme ça. Yes. Maintenant, je peux faire un casse-dalle de planque dégueulasse. Oh putain, je kiffe manger des graines. Mmm. Miam, miam, miam. Mmm, ça croustille. Il a anéanti notre belle salade. Carl, tout doux, Franck. Voilà. Est-ce que dans notre champ, il y a des trucs qui commencent à pousser? Putain, mais vas-y, ça pousse que de... Ça fait 3 jours. Et alors? Quel est le problème? Faut peut-être pas marcher sur les plantations aussi, non? J'avoue que je les piétine en boucle depuis je sais pas combien de temps. Attends, comment t'as dit qu'on faisait les coffres? 52 bois. 52 bois, ok. Babak nine. Babak. Continue, t'es presque 52 bois. Faut juste pas que je m'évanouisse. D'ailleurs, c'est une règle IRL aussi, d'ailleurs. Hein. Tu peux marcher sur les plantes, ok. Attends, vas-y, je veux juste éclater un dernier arbre et ensuite je vais dormir. Il est 20h, les gars, putain, vous allez vous coucher tôt, là. De toute façon, on est fatigué. On n'est pas fatigué. Mais c'est tôt, Mordor, qu'on gueule. Vas-y, je vais éclater cette dernière souche. Ah non, putain, ta gueule. 51 bois, c'est bon.
Merde. Je vais être fatigué. Lui est pas top. Hein. Lui. Je vais foutre mon coffre ici. Ah, je peux pas le foutre dehors. Ah si, bah si. Pourquoi tu me fais chier alors? Voilà, ici. Et dedans, bon, je vais mettre ma pomme de pain, ma sève. Ma pomme de pain. Mes graines de panais. Non, je vais garder ma canne à pêche. Et ça, on s'en fout. Hop. Ça allez, je vais pioncer moi. De ouf, Chubby. Et Chubby, c'est un mec. T'arrives un peu tôt. Je me fous de ta gueule. J'ai plus d'appétit. Pourquoi t'as mangé, quoi? Je vais mettre ma sève. Jeter dans le coffre. Ça me changera de jeter dans ta sœur. Oh, j'ai la cognette au plus 1. Et là, voilà, regarde. On s'est fait ça. Putain, 300 balles le gland. Eh ben. Ça en fait, dit gland. Ouais, mais du coup, à quoi sert la thune? Parce que du coup, comment fait-on des choses? Attends, je vais aller voir dans le magasin. Je vais aller voir dans le magasin si on peut pas trouver des trucs un peu plus stylés, tu vois. Vas-y, moi, je vais faire de la quillette, là. Enfin, la quillette. Et je vais me gratter la quillette. Je devrais pas rire à ça. Je devrais vraiment pas rire à ça, vraiment. Pour 2K, t'as un plus grand inventaire. Oh, plus grand inventaire, pardon. Vas-y, je vais y aller. 2K? C'est cher. Moi, j'ai 2K, je m'en fous. Et du coup, si je dépense les 2K, c'est pour tout le monde, tu penses, le plus grand inventaire ou pas? Ouais, je pense. Ah, vas-y, je vais faire ça, alors. Je vais investir notre argent. Parce que si c'est juste pour ta gueule, franchement, j'aurais... Dans la Startup Nation. Oh, attends, y a une autre quête chez Pierre. Pam a besoin de Jojo Cola. Joja Cola. La thune, c'est pour acheter chez Pierre, chez la guilde d'aventuriers, agrandir ta baraque. Putain, vas-y, c'est trop tôt encore, l'autre PD, là. Vas-y, je vais fouiller les poubelles en attendant. J'ai rien trouvé. Quoi? Ça te ressemble. Bah ouais, je bosse, je fais attention, j'essaie de trouver des bons détritus, quelque chose de sympa. Oh, c'est quoi ici? C'est quoi au nord du village? Oh putain, y'a un cerisier, attends, je vais l'abattre. Putain, on peut pas enculer le cerisier! C'est quoi ici? Pélicanville. C'est quoi ces noms à la Pokémon? Eh, ça manque de tombes. La thune, c'est pour acheter, ouais, chez Pierre, guide d'aventurier. Ah, d'accord, ok. Agrandir ta baraque, ça sert à quoi? À l'agrandir. Et donc? C'est la mine vers le nord et t'as des monstres dans la ville. Hein? Dans la mine. Dans la mine. Des monstres dans la ville? Je crois pas. Je sais pas, c'est lui qui a dit ville, il est con. J'ai trouvé une guéode. Une guéode? Vas-y, je vais continuer à m'occuper du jardin, là, en attendant. La guéode. Ou alors, attends, parce que du coup, j'ai deux quêtes encore. J'ai Pam qui a besoin de Joja Cola là. Putain, j'ai encore trouvé une géode. Je vais être riche en géode. Elle veut juste un Joja Cola. Vas-y, je vais pêcher dans le super petit étang à côté de chez nous. Je suis sûr que je vais trouver des trucs trop bien. Oh. Et bim, un trésor, livre perdu. Tu sais bien. Vous avez trouvé un livre perdu, la collection de la bibliothèque s'est agrandie. D'accord. Eh ben. Une chambre pour les futurs gosses, créer la grange. Ah putain, faudrait quoi. Oh, les futurs gosses. On peut baiser entre nous ou pas? Parce qu'au pire, on s'arrange, les gars. T'as trouvé un Joja Cola, tu l'as plus? Non, je l'ai éclaté direct. Je l'ai one shot, je l'ai shotgun. Attends, par contre, il est où, Pierre? Oh, des lunettes. Surtout, ne me répondez pas, ça me fait trop chier. J'en ai aucune idée. Bah, c'est un des premiers bâtiments dans la maison, dans le village. Faut monter ou faut juste suivre la route? Non, tu suis juste la route, c'est une des premières maisons dans le village. C'est un grand truc. Ça sert à rien de pêcher ici, ouais, mais j'ai déjà trouvé du Joja Cola là, mec. Du Joja Cola là. Putain. Regarde, là déjà j'ai trouvé des déchets, je suis pas content. Eh, hey, salut Pierre. Attends, oh, faut que je trouve une calèche. Du gazon, du sucre, du riz, de l'huile, du papier peint, un vêtement sol. Et voilà, Joja Cola. Maintenant, je peux aller voir l'autre pute. Il est où le forge? Ouais, je vais trouver le forgeron. Elle est où, Pam? Pam. Elle est où, Pam? Les gars, elle est où, Pam? Les futurs gosses, c'est les gosses. Ah, blague pourrave de MTE, une blague pourrave. Qui la raconte? Vas-y. Non, mais j'ai pas envie, en fait. Tiens, regarde. Merci, Redson. Merci beaucoup pour le sub, mec. Allez, Spider, raconte-la. Oh putain, tu fais chier. J'ai rien ouvert. Vas-y, elle est où, Pam? Ok, humour.com. La fameuse référence. Pam, la prof devant la bibliothèque. Ok. Pam, elle est souvent au bar. Humour.com. Oh putain, en plus c'est sur Facebook. Oh, ça va être
Lourd. Blaguehumour.com, attention. Vas-y, vous me dites stop. Stop. Devenez trop romantique. Quel est le plus petit paradis du monde? La chatte. Je soutiens gorge car il n'y a que deux seins. Oh putain, j'ai trouvé Gunther. Attends, ta blague c'est de la merde, mais j'ai trouvé Gunther. Oui, il y a deux nichons, des singes. Comme Robert. Elle est où, Pam? Robert de sang. Elle est pas dans sa bibliothèque, cette énorme pute, hein. Attends, c'est vrai, en plus. Merci. C'est quoi cette bibliothèque de 60 hectares? Salut, c'est toi la nouvelle. On m'appelle Alex. Je suis bien content pour toi. Putain, elle est où? Il est où? Il y a Elliot. Ah, la nouvelle infirmière. Et Gunther, elle est où, ta Elliot. Meuf? J'ai un truc pour elle. Elle veut du coca. Tu peux pas lui offrir du coca. Moi, je vais offrir du coca, moi. Faut du coca. Il est où le forgeron? Il y a un lac au sud de chez nous, c'est ça? Ouais. Il est au-dessus de là où je suis, le forgeron. Regarde sur la map. Elle vit dans la caravane. Ah, c'est elle? Et nous partons, ah, allez, c'est bien. C'est une gitane. Attends, je l'avais trouvé où, la caravane, tout à l'heure? Carte. Ça, c'est la ferme. C'est Russian. Attends, je crois que c'est aussi. Est-ce qu'on se ferait chier devant une bibliothèque plus grande que ta ferme? Franchement, ça se fait ap. Eh, Pam! Ah, Pam! Ah, Pam! Bonjour, Pam! Mais non, c'est Penny! Putain, mais vous me mentez en boucle! Non, attends, mon chasseur, il se balade dans la caravane et le supermarché. Oh, putain, la vache. Oh là là, mais mec, ça va être relou! Wesh! Les mecs, ils ont aucune patience, quoi! Attends, alors, il y a. Boutique Amir, transformez les géodes. Putain, transforme-moi la géode, je t'en supplie. Putain, elle est où? J'ai pas assez de place dans mon inventaire. Eh, hey, monsieur, ça te dirait genre de manger de la sève? Prends ma sève. Tiens-moi ça. C'est qui la vieille là? Non, ma sève. Merde, non, je veux pas pêcher la vieille. Ça, c'est Evelyne. Tu peux appeler mamie, non merci. Putain, je vais vous faire un poisson, il a juste soupiré, espèce de bâtard. Bah. C'est qui elle? Caroline. Et c'est qui elle? Jody. Putain, c'est qui le cool boy là? Regarde, lui là. Vincent. Je m'en fous pas, vas-y, t'arrasse, Vincent. J'ai ramassé de l'argile et du charbon. Et le supermarché, c'est en haut à droite. C'est genre vraiment un supermarché. Il est supermarché ou c'est un marché tranquille? Marché Joja, d'accord, ok. Fais voir, je vais aller là-bas. Ramène des chips. Okay. Je suis sûr qu'il y en a, attends. Ah, Pam, t'es où, Pam? Ah, Pam. Attends, je suis où là? Non, je suis pas là du tout en fait. T'es là ou t'es pas là? Bah, si, c'est là. Bah, attends. Ah, mais la map en fait elle est éclatée un peu. T'es où, Pam? Tu te fais enculer parce que tout est plus cher. Ouais, mais si c'est pour des chips, ça va, tu vois. Ouais. C'est elle, Pam? Ouais, c'est elle, Pam. Bonjour, Pam. Ah, Momo, que fais-tu, Momo? Bah, je suis en train de. Quoi? Merde, je crois que je t'ai. Attends, je crois que je t'ai. Ouais, non, mais casse-toi, je m'en fous de ton Coca-Cola. J'étais offert du Coca sans faire exprès. Tiens. Bah, c'est après, là, j'étais en train de filer du Joja Cola à l'hôtel alcoolique, là. Ça va, du Coca, y'a pire. Hein. Ouais, enfin, quand j'étais là voir pour la première fois, elle m'a dit, oh, j'ai trop picolé hier soir, dit. Raisin grignoté, jus pressé. Moi aussi, jus pressé. Mais... comment on achète des chips? Graines de panais, J-Cola Light, papier peint. Ouais, c'est jus d'enfant. Vous vendez vraiment tout, les gars. Riz, revêtement de sol, farine de blé, sucre. Mais genre, il y en a, ils bannent les gens parce qu'ils disent des gros mots. Ah ouais, bah là, si poteau, t'as le barien. Tu peux y aller. Oh, ça va, nous. Hop, ok. Putain. Oh, la réplique. Ok. Bon, bah, alors ça, c'est fait. Pam, c'est bon, Pam. Livraison terminée, récompense. Ah, yeah, 75 balles. Franchement, je lui ai apporté juste une canette de coca. Elle m'a filé de quoi acheter des Stranding 9. Elle vient de sucer, maintenant. Ça va, toi? T'es sûr que ça va? Il en manque, il a kické à la main. Voilà. Je prends ton père. Donc, t'as acheté le sac à dos, ça nous a tous tiré notre thune. Par contre, y'a que toi qui as le sac à dos. C'est ouais, ouais, ouais. C'est tu prends mon équipe, mais t'as un sac à dos, ouais. Eh, de rien, les gars. Attends, ça existe pas que je. Mais mec, t'étais là, le mec, il a fait ouais, ouais, c'est pour tout le monde. La merde.
Ouais, c'est pour tout le monde qui dépense. Mais non, mais on avait... je pensais, on m'avait dit que c'était pour tout le monde le sac, l'amélioration. Ouais, ouais, ouais. Ta gueule, tu nous as tous enculés. Mais non, 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 mais y a plus de rire, plus de rire. Non, vas-y, démarre-toi, je m'en fous, je continue à couper du bois. Casse-toi. T'as intérêt de vendre tellement de bois, tu dois 2000 balles à la ferme. D'où je dois que dalle, c'est chez moi déjà. Estime-toi content d'avoir un toit. J'aurais pu foutre une seule cabane, tu serais tombé dehors, clochard. Je te sens un petit peu tordu. Oui, un petit peu, ouais. Voilà, je me suis fait arnaquer 2000 balles là, je vais devoir couper tellement de bois. Ça va être ouf, t'as un beau sac à dos, ouais. Ah bah je vais pouvoir en prendre du bois en même temps. Regarde. Tu vas pouvoir en prendre des stacks. Mec, je vais leur balancer 2 tonnes de sève, ils vont tous voir flou. Hein. Lourd la sève, ils vont me dire. Ouais. C'est une ville, ça, en plus. Oh, comment j'aime pas quand tu fais de l'humour, mec. Bon, il est 19h40, il va falloir aller se coucher et demain on se lève tôt. Oh non, hein, je pêche. J'ai pas fini de couper ma forêt, moi. Attends, y'a un gland par terre, Yadar. C'est marrant, c'est la troisième fois. Mais non, mais connard, y'a un gland, enfin bon, tu peux ramasser et le vendre. Attends, je pêche. Mais attends, c'est qui est à côté? C'est un cadeau boy. Bah niquez ta race, moi je m'occupe plus de rien, je m'occupe de mon bois, moi. C'est marrant, son mec à la balle, ils avaient dit, ouais, sur Sardou Valley, on va tous être copains. En fait, c'est limite pire. Non, mais je vais pas. Quelqu'un a arrosé les plantes, pourquoi faire? Oui, moi j'arrose les miennes. Faut qu'elles sèchent. Attends, t'as dit j'ai arrosé les miennes? Ouais. Ouais, pareil. Bah, moi aussi. D'accord. Ok. Ça peut trop chier. Je vois. Putain, je suis exténué, sa mère. Je vois. Pendant qu'il y en a d'autres qui dépensent la thune qui leur appartient pas, il y en a qui... Il y en a qui... Mec, j'ai travaillé. Tu sais combien de bois j'ai vendu pour avoir 2000 balles? Ouais. Tu sais combien de clans ça m'a coûté? Bah, un ou deux. Ouais, en plus. Tiens, regarde, j'en ai vendu 3. Lunettes cassées, bah les couilles. Déchets, bah les couilles. Voilà, je vais dormir maintenant. Et je dors chez moi, je dors plus avec toi, Momo. Bim. J'ai jamais voulu, je suis dans ma chambre. Je vais jamais te lâcher de caissonner, tu vas voir. Je vais dormir. Vends pas ton bois. Mais si, on a besoin de tuiles, sinon je vais encore me faire engueuler, là. J'espère que tu vas ramasser 2000 balles. Je suis sûr que je vais pouvoir bien nous renflouer, là. Bah, j'ai de l'inventaire en plus. J'ai une ligne en plus, en fait. Ça pourra peut-être être utile. Ouais, à moi, ouais. Pendant que toi, tu es en train de te galérer avec tes poches. Ni. Toi ta gueule, j'attends, vas-y, t'habilles tout, bouge pas. En attendant, mes poches vont pas coûter 2000 balles. Tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire. Vous allez tous faire la gueule demain quand je vais être multimilliardaire. J'ai vendu 3 glands, les gars. Allez, venez dormir, après je suis fatigué là. Vous m'avez saoulé, c'est vrai. Faut pas aussi oublier de replanter les arbres. Je suis trop de la colonne vertébrale. Mais en plus, je crois que dans Graveyard Keeper, tu peux faire des décorations avec... Mais c'est bien, mais on y joue pas, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Momo? On va faire ça, non. Est-ce que tu veux lâcher des lunettes cassées dans ma maison? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est un signe, Momo? C'est un petit peu comme les mafieux quand ils foutent une rose, quand ils butent quelqu'un, mais là, c'est des lunettes pétées. Donne-moi tes lunettes. Merde, j'ai pris mon bol. Attends, comment faire? Bon, les connards, allez vous coucher. Ta gueule. Je m'en fous, j'ai kiffé tes lunettes. Il te pose une tête de cheval coupée dans ton lit, mais ouais, de ouf. Il se fait tard. Ah, j'y ai bien dormi. Avec la, avec la suspicion de mes potes qui pensent que je les ai arnaqués. Attention, combien de glands? Ouais, 6. Mais attends, ils sont où mes glands? 0. Non, si, en fait, c'est 60 balles. Si, c'est conduit en autre, en fait. Waouh, super, 3 glands, 60 balles, on est riche. Tu vas te démerder! Tu vas voir! Les gars, je ramasse 3 glands! Vas-y, il y a une meuf avec un lien devant chez moi, qu'est-ce qui se passe là? Vas-y, je suis en train de me faire attaquer, les mecs, à l'aide!
Oh, attends, des planètes sont bien très vite. Spider la batte. Tu démerdes, il y a sortir un truc de ton sac à dos. Eh mec. Toi, quand t'es si. Eh mec. Et bim, j'ai adopté un chien. Et comment je veux l'appeler? Chat, bim. Non, vas-y, comment on l'appelle le chien? Yadar, par contre, les gars, est-ce qu'on vend des panais ou quoi? Je ramasse tes panais, Yadar. Ah! Bah oui, enfin non. Je sais pas, tu veux faire quoi d'autre avec? Bah ouais. Faut les vendre, oui. Bah ouais. Vas-y, ouais. Non, mais je demande au chat parce qu'ils connaissent mieux. Voilà, il est où notre chien? Donc, on a un nouveau chien, il s'appelle Pips. You Pips! Pourquoi? Attends, j'ai un panais qui est en or. Mais c'est le mien. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale. La gestion responsable d'environnement notre propriété, nous sommes des agréments, ouais. Quoi? Tu peux le vendre? Tu peux le replanter ou pas? Je s'en bats les couilles. Et ouais, ils sont prêts, faut les vendre. Ok, faut juste les vendre. Okay. Bah, je les ai tous en or là. Vas-y, il est où notre yinche là? Ah putain, attends, du coup, mais est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour racheter des panais? On a 800 balles, tu vas pas. Ah, mes plantes ont disparu. Ok, d'accord, je vois, ouais. Ah, je peux ouvrir le coffre des gens, par contre. Ah, ça rigole moins fort, là, hein. Tu revends mon charbon. Si ce soir, je vois charbon. Si ce soir, y'a pas un charbon. Non, on a trois, en plus. C'est pas trois charbons, les trucs. Je te jure. Vas-y, je vais continuer à couper du bois, je m'en bats les couilles, ça m'intéresse. Tu sais quoi? Vos combats humains là, ça m'intéresse pas, moi. Je suis au-dessus de ça, moi. Ouais. Voilà. C'est bizarre, les plantes elles poussent pas. Mais non, mais genre, elles ont vraiment disparu, mes plantes. Mais c'est moi qui les ai ramassées. Putain, mais t'as ramassé mes plantes en plus, t'es vraiment un gros fils de pute, hein. On peut pas te faire confiance, hein. Mais c'est pour le bien de Komaï. Regarde-le, Léon Strotsky là. Nique ta race. D'ailleurs, le chien, il a sa gamelle au-dessus à gauche de ta barrique. Ma barrique? C'est quoi? Atteignez niveau 1 en agriculture et fabriquer un épouvantail. Oh bah, je risque pas à couper du bois pour rembourser ma dette, moi. Rigole, ouais. Putain, des papillons. À planter au printemps. On est où, quoi, là? On est au printemps? On est en... Je sais pas. On est dans la merde, surtout. Qui s'est caché des trucs, là? Alors là... Qu'est-ce que t'as fait? Mais la thune! Mais... Je suis en train ça d'acheter... Ça va me faire couper tellement de bois, mais... Oh putain! Mais t'as acheté quoi? J'ai acheté des haricots. Mais t'as intérêt d'aller les planter, tes putains de haricots! Si tu me rembourses pas avec des haricots, je vais te retrouver... Franchement, je vais te faire mal. Franchement, je vais te faire mal. 800 balles de haricots, mon gars! 800 balles! Bange! Negoitin sum bange! Ça fait 40% d'un sac à dos, mec! Je sais pas si tu te rends compte! Putain! Mais ouais, regarde, je vais faire des beaux haricots, ouais. Si ça met 27 jours à pousser, t'as perdu 800 balles! Non, ça met 10 jours. Yes! En plus, ton perso commence à être claqué à force de couper du bois, là. Bah, c'est sûr. Ouais, vas-y, continue, vas-y. Vas-y. Rigole, pharisien. Tu t'es fait arnaquer ta race avec tes 800 balles d'haricots. Franchement, j'ouvrirai pas ma gueule. Hein. Mec, convainc... Avec non, 800 balles. Que tu parles, putain, je commence à être épuisé, sa mère, je vais manger un gland, tiens. Vas-y, comment on fait pour manger des glands? J'ai planté des glands partout. Eh, hey, tu sais ce qui est chiant, c'est qu'en fait j'ai foutu des... Alors j'ai foutu les haricots, certes, mais je ne peux plus accéder. Regarde-le. Mais... Nique ta mère, nique la police. Tu viens m'éclater un peu. 400 balles. Je vais t'enculer, mec. Je suis fuck la gendarmerie nationale, mec. Mais toi... Et je dors bien. Elle dort bien, Judas. Je suis d'abricot. Mec, il va se coucher à midi. Je suis claquos, mec, je fais une sieste. T'es fou, quoi.
Tu coupes trois branches, oh là. Coupe trois branches. Mais mec It begins. Trois branches, il dit l'autre. Il dit C'est marrant. C'est quoi, c'est... Je peux prendre le mini phare. Mais c'est rigolo, il y a plus de vrai. Est-ce que tu peux le vendre pour rembourser ta tête? J'aimerais bien si les gens ils arrêtaient d'acheter des haricots à 800 balles. Écoute, ça pousse peut-être un petit peu mieux. S'il n'y avait pas des connards qui... Eh, tu sais quoi, je vais faire mon chant ailleurs. Vas-y, je veux plus rien avoir. Oh, il est là, petit chien. Oh, bébé. Ah, vas-y, vas-y, je vais l'emmener avec le chien, je m'en fous, moi. Lui, il est gentil, lui. Bonjour, petit... Oh putain, je vais foutre un coup de houe dans la gueule. Yannard, il est pareil que moi, il va à la mine. En casse de cailloux. Ah, c'est son côté picard. C'est dans le TN. Yannard, c'était les cons. Yannard, c'était les cons. Tu fais quoi, Momo? Je pêche. Là, tu vois, j'ai pêché aussi, des déchets. C'est un gros mélange sac de graines. Ce serait pas des déchets à 800 balles par hasard? Eh non, malheureusement. Pour potentiellement rembourser. Je sais pas. Après, je sais pas. Je suis pas économiste. Le mec, imagine, genre, viens, on se marre. Le mec, il dépense 2000 balles pour des putains de poches. Et après, il va se coucher. T'es sûr que tu veux te foutre de ma gueule de ce côté-là, mec? À te faire arnaquer avec ta boute. Putain. 200 grammes de dossier, j'y vais aussi. 800 balles. Et en plus, il peut même pas y accéder, ce con-là. Il en a... 80% de sa récolte, elle est éclatée, mec. Ah, putain. Elle est bonne, t'assiste. Franchement, je me repose des ouf. Ah, imaginez que je me fais pas arnaquer par des mecs qui bossent sur ma ferme. Vas-y, je m'en fous. Putain, je peux même pas acheter des graines, j'ai 48 euros. Mais... Pour finir le mois de septembre. Mec, on est le 5. Comment vrai? La moitié des récoltes va crever, mais c'est bon, il y a 3 plans, ils vont mourir 3 plans en chien. Ouais. On va pas en chien, c'est cadeau, il se bague. J'ai bien mangé. Oh putain. Je te déteste. J'ai que ça à faire, mec. J'ai plus assez de graines vu que quelqu'un que je ne nommerai pas a utilisé une thune pour des haricots verts. C'était super bien. C'est super bon. Mais on est sûr que c'était des haricots verts. Ah bah oui, parce que sinon attention, je retire tout ce que j'ai dit. Non, mais c'était peut-être des haricots blancs. Et du coup Oui. Bah c'est moins grave si on les a perdus. Finis ta phrase, moins bon. Vas-y, je vais... Qu'est-ce que tu fais à mon panneau, nique ta mère, toi. Je vais foutre ça dessous. Nique ta mère pour l'infini, mec. Casse-toi avec tes cheveux, là. Attends, vas-y, si je sors que c'est là, mon gars, je te fous. Putain. Mec, c'est l'enfer d'être dans une ferme. Putain. T'as de la chance que mon chien il soit gentil, mec. Parce qu'il va t'enculer, mec. Qu'est-ce que tu fais, putain? Attends, vas-y, je suis en train de pioncer, mais je peux pas pioncer. Qu'est-ce que tu fais? Putain, t'as foutu une canne à pêche. Putain, je m'en fous, je me mets plus le panneau, tiens, me saouler. C'est ça, Guy, tu vas rentrer, vas-y, coucher, vas-y, j'ai rien compris. On va tous aller se coucher, passer une bonne nuit. Ah ouais, là, on va... une bonne nuit réparatrice. Y'a plus de panneau.
Vas-y, je vais foutre mon panneau chez WAM, comme ça on va pas m'emmerder. Voilà, je vais bien dormir alors. Je suis épuisé, mec. Qu'est-ce que tu fais? Casse-toi de chez moi, ta mère! Putain! Putain! On est tous à se coucher! Qui sa race? On va tous bien dormir! On n'est pas couché ici! Pas encore! Bouge pas! T'as fait 10 000 pas! J'y vais là! Tu divises par 5, si t'as vu, ça fait le tic qui quitte. Attends, déjà, on va voir combien ils ont vendu les panels. Maman, je vais me rouler une clope, sa mère là, vas-y. Y'a plus de panais. Y'a plus de panais. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça il a osé? Attends, faut que je ressorte. Je sais pas. Si t'as pété. Que se passe-t-il? Allez, venez dormir là. Oui, bah j'arrive, voilà. Non, mais pas toi, les autres cons là. On sait que t'arrives, toi. Non. Joli. C'est quoi, maintenant j'y arrive plus. Ah si, hein. Oh, tu vas pas t'y mettre aussi, putain. Y'a que moi qui bosse ici, putain, c'est incroyable. De quoi y'a que toi qui bosse? Je vais faire un arrêt cardiaque, mec. Casse-toi de chez WAM. Qu'est-ce que tu fais, là? Putain, je suis en train de rouler ma clope pendant que je suis au lit, là. Comment, ouais? Je me dis, heureusement que c'est pas moi qui joue, j'aurais dépensé toute votre thune pour acheter des petites poules. Mais on peut pas encore. Bah oui, on peut pas, vu qu'il arrête pas de dépenser notre thune pour acheter des haricots, gros con. Bah pour l'instant, bon... Ça, mais là, je suis des haricots pour l'autre, il a juste un sac à dos de pack. Au moins, moi, je sais l'utiliser. Je peux y accéder à mon sac à dos. Bah, c'est sûr, en coupant du bois, en te couchant à midi. Bah ouais, franchement, ouais. Et toi, t'es de ces Asies... Bon, voilà. Attends. Eh, 1355 balles, mes panais. Tchoum, ta chatte. Ah, ça va, eh, tes deux bouts de charbon, ils se sont bien vendus, hein. Putain de ma gueule. Bon, du coup, faut que j'aille acheter des panais maintenant. T'as vu, regarde, en un jour, je suis ramassé ce que t'as. Ce que t'as dépensé, tu te souviens? Je te jure, il y en a l'un de vous. Va acheter un sac à dos. C'est les panais de Russian en plus, ouais, c'est ceux que j'ai plantés, ouais. Non. Oh, petit chien. J'espère qu'il me déplace plus vite que moi, Spider, parce que. Non. Non, parce qu'en plus, ça fera 2000 balles en moins, et ensuite 800 balles en moins pour acheter des haricots encore, et on va se retrouver avec 99 balles, faut pas, mec, hein. Non, mais par contre, ouais, vraiment, qui c'est qui avait planté juste 3 panais? Avec 3 panais. Bah quoi, c'est bien, non? T'aimes pas les panais, peut-être? Bah, va les vendre. C'est à qui? Mais c'est à qui? Mais c'est pas moi. C'est... Non, mais moi, j'ai plus de mon inventaire, je suis en train de les de ramasser. Pourquoi l'autre, il a un vif d'or, là? Vas-y, je vais faire une autre maison ailleurs, moi. Je vais bosser ailleurs. Hein. Je veux retourner au Mexique. Je veux plus rester là. Du coup, est-ce que ça dérange quelqu'un si je vais acheter des panais? Non. Tu fais ce que tu veux. Tant que sur le chemin, tu veux niquer ta mère, vas-y. Hein. Un peu d'hostilité. Non. Ah, t'as fait 10 000 pas. Divisé par 5, on se souvient. En vrai, poulailler et poule, c'est sans doute le truc le plus worth à acheter après les champs. T'aimes les champs? Tu continues à couper du bois, je m'en bats les couilles, moi. J'ai besoin d'aran pour préparer un ragoût, Alex. 90 pièces d'or à la livraison. Ouais, Momo, si t'as un aran, hein. Ouais, si j'ai un aran, ouais. On peut pas chasser aussi, là? Chasser du champ. Ouais, par exemple. Attends, c'était combien? 15 panais pour 1300 balles? Je sais pas. Je crois qu'attends, il y avait... Mais le problème, c'est qu'il y en avait qui étaient en or, du coup, et un autre qui était en argent. Il a dû filer plus de thunes. Eh, les mecs, ça nous a coûté cher, mais j'ai trouvé un panneau en or.
Moque-toi. Vas-y, Mokhtar. Vas-y, je vais foutre tout ça à vendre. Et ensuite, je vais aller me balader un peu au village. Tiens, ça fait longtemps. 3000 de thunes. Les gens, ils doivent penser que je suis mort depuis le temps. En fait, les voisins, ils doivent juste entendre des hurlements toute la journée. J'achète combien de panais? Ah, je sais pas, j'ai rien à thune, hein. Je sais pas, pour 1000 balles de panais. 1000 balles, mec. Bah ouais, bah ça. 20, un panais. Bah ça va nous donner plein. Bah non. Bah si, après. J'en ai pris 10 déjà, c'est bien. Tu veux que j'achète pour 1000 balles de panais, mec? Vas-y, pourquoi il y a un vieux qui veut me parler là? Faut bien se faire de la moula. Qu'est-ce qu'il veut lui? La fameuse moula de panais. Attends. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut, José Bové là? Qu'est-ce qui t'y arrive? Oublie pas tes plans, tu sais combien ça fait? Tu sais combien j'ai ça fait un panais déjà? Qu'est-ce qui se passe? Pas assez. C'est le centre communautaire de Pelicanville, Zanana, ouais. Quoi, tu veux qu'on le rafistole? Ouais. Il demande quoi? Il manque plein de trucs. C'est honteux! C'est un peu l'objectif endgame du jeu. Ouais. Mmh. Ah ouais, c'est le fil rouge. Ouais. Joja Corporation m'a harcelé. Oh là là, vas-y, non, vas-y. Mais en vrai, ça a l'air dark des fois, le truc. J'ai ma Tether Will Be Blood, c'était sympa, mais c'est bon. Pourquoi tu me suis, toi? Pour ça que nique ta mère. Nique ta mère, monsieur Ab. Monsieur, alerte au violeur. Il a fait 10 000 pas. Oh, attends, il y a un salon du... Ah, mais il y a un resto, là, il y a un bar. Putain, c'est fermé, ça ouvre à midi, sa mère. Sa mère. C'est quoi, ici? Vas-y, je peux pas lui piquer les trucs dans son champ, lui. Non. Il y a des trucs bien d'arge. Ah, j'aime bien, moi. C'est le réfrigérateur du maire. Vas-y, mais je vais lui piquer les trucs au maire, moi, je m'en bats les couilles. Attends, où est-ce qu'on peut voir les... Y a pas un calendrier, non? Non, c'est pas l'anniversaire du vieux demain, là? Je peux faire une petite bombe. Oh, terroriste. Vas-y, je vais pêcher les trois trucs. Ah, je peux faire un épouvantail. Il me faut 50 bois, un charbon, 20 fibres. Empêche les corbeaux d'attaquer vos récoltes. J'ai du charbon dans mon coffre. Quelques instants. Attends, je vais péter du bois. Ça va pêcher vénère. Je crois que Peggy, elle est suicidaire parce que sa mère passe son temps à se saouler la gueule et qu'il vit dans une caravane de merde. Eh bah, qu'est-ce but? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Ça mort, sa mère. Comment on fait, par contre, pour replanter du bois? Tu fous des glands ou des pommes de pin, non? Ouais. Et des fois, tu peux trouver des graines aussi. Il faut les arroser, oui, je pense. Un rang de 30 cm, poteau. Ça fait de la bidoche. Il faut juste planter les graines. Ah, ok, ok. Les graines chelou qu'on ramasse, pas besoin de les arroser. Okay. Bah déjà, j'ai planté des glands. Me pousse pas, fais pas des gimmicks. Momo, déconne pas. Momo, je vole. Non, t'es en train de me faire louper le poisson, mec. Il est en train de me ken pendant que je pêche. Momo, me fais pas. Ah putain, il est en train de me donner des coups de faux. Ça va, Dante, tranquille. Sardine, 3 cm, vas-y, j'ai galéré pour ma sardine, 3 cm. Fous de ma gueule. Mec. Comment ça me voit trop chier. Putain, super, des algues. C'est beaucoup trop calme. Non, j'étais en train d'évaluer la taille du hareng en regardant mon bras, ça fait un gros hareng. Merci Drektan, Nicolas Hulot. Mange là la sardine. Pourquoi faire? Ah, qu'ils sont insérés dans cette boîte. Chaîne de les sardines, au PTDR. Vas-y, ça mord pas. Ah, 6 ans. Mais vas-y, on a pas tout le temps des graines là d'arbres. Bim. C'est quoi? Vas-y, dis-moi que c'est un gros truc. Oh, sardine de 8 cm! Ouah, je tombe des nues! Attends, qu'est-ce qu'il fallait pour artisanat? Elle faisait 15 cm la sardine de Momo, putain! Énorme sardine! Putain, mais même là, il vient de pêcher une 10 cm à côté de WAM, pendant que moi, 3 cm, genre, c'est mon record! Femme, c'est mon père qui... Question de talent. Ouais, c'est ça. Avant tout, hein. C'est mon sac à dos, il m'alourdit. C'est chiant pour pêcher. Franchement, ouais. J'ai beau mettre un A anarchie en blanco dessus, franchement, ça a rien fait. Bim. Allez, dis-moi que c'est un truc de ouf. Putain, 3 cm, mais pourquoi c'est de la merde, mes sardines? Un homme sur 3, t'inquiète pas. Vas-y, ma sardine est toute petite. Il a une petite sardine. Vas-y, putain, j'aime pas ce jeu, mec. C'est bien les petites sardines. Mm.
Vas-y, continue. Je vais tout vendre, tout ça. Je suis sûr, on va se faire un max de fric avec ma sardine 3 cm là. Vous voulez que je fasse quoi avec? Je suis pas digne. 15 cm, boum. Y'a quoi, elle est trop concentrée. Oh, ah, y'a un trésor. Putain, bon, j'ai loupé, mais j'ai au moins chopé un trésor, je crois, non? Ah, fallait c'est avoir bien. Le truc avec. Je sais pas. Quand tu chopes un trésor, il faut choper le poisson avec ou pas? Je crois, ouais. Ah oui. Ça, pourquoi il y a des... Si les gars du chat, est-ce que vous savez, des fois quand on coupe de l'herbe, il y a des sortes de petites grenouilles qui sortent. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est juste pour le fun? C'est juste un petit truc ou... Il y a vraiment un autre truc après. Une sardine de taille moyenne mesure 13 cm. Putain, ouais. Ça, c'est du savoir, ça. Ah bah, je te dis, hein, ça... 23 cm! Bouh! Ouais, la sardine, mon gars! Faut les lécher, ça donne des alus. Tu vas te retrouver dans Graveyard Keeper, justement. La grosse sardine! Allez, c'est la dernière, et ensuite, j'en tourne à la maison. Je commence à être clacos en plus. Oh putain, attends. Attends, faut le foutre sur quoi le. Allez, je veux le trésor avec, Pourquoi je peux pas le poser n'importe où? Boum. Mais j'ai eu un trésor avec et dedans il y a. Waouh, du bois et des appâts. Oh! Ah, c'est pas mal, remarque. Je sais pas comment s'en sert des. Je sais plus comment ça marche. Vas-y, je vais retourner à la maison et je testerai les appâts demain. Je vais dormir un peu parce que là... Parce qu'il est 18h, ouf. Et comment ça se fait tard? Une fois, je me suis écouté vers minuit. Bonjour, comment je l'ai fatigué après? C'est quoi ça? Je peux casser ça? Les appâts, faut les équiper dans la canne à pêche. Bon, je verrai ça demain, tiens. Ouais, la canne à pêche qu'on a, on peut pas mettre d'appât dessus, je crois. Ah merde. Une canne à pêche des débutants. Putain, lui aussi, il pêche. J'ai gagné 100 balles. Est-ce que vous avez des trucs à faire dans votre journal? Ah, moi j'ai gagné 100 balles aussi. Ouais, j'ai un problème de rat. Ouais, je suis pas. Dans le centre communautaire. Je vais aller voir après ça. Bah, on a tous celui-là, le centre communautaire avec les rats ouais, là J'ai pas fait gaffe. Au pire, on y va demain. On y va ensemble demain. Ah oui. Vas-y, faut que je vende mes poissons. Parce que du coup, en fait, tous nos objectifs sont en commun. Ouais, c'est. Bah, je sais pas en fait si on prend une quête, si c'est pour tout le monde ou pas. Parce que celui-là, le centre communautaire, j'ai l'impression que c'est comme le dit Momo, vu que c'est le fil rouge, on doit tous l'avoir. Mais je sais pas si les quêtes individuelles, tu vois, je sais pas. Apparemment, il y a un sous-menu dans la canne à pêche pour les leurres et les appâts. Ouais, mais on le chope où ce sous-menu? Tu vas faire un stream de Graveyard s'il y a de la coop. Bah, s'il y a de la coop, ouais, moi je kifferais parce qu'en plus il est à moitié hardcore le jeu. Genre vraiment tu peux choper des organes et tout, c'est vénère hein, tu faut faire de l'embaumement et tout Mais je sais pas quand est-ce qu'ils rajouteront de la coop ou s'ils en rajouteront. Donc il y en a pas pour l'instant, c'est bah, sûr. Pour l'instant il y en a pas. Enfin je crois que pour l'instant il y en a pas. Enfin je sais pas si Graveyard Keeper coop, tiens, est-ce qu'il y a un truc. Fais voir. Pas de coop, hein. Un joueur non. Y a un mec qui dit non, il faut pas parce que ça attire les hipsters. What? Multiplayer is under point at the moment, it will take a lot of resources. Ouais, bon, pour l'instant, ils y pensent pas, je crois. Ouais, apparemment, ils disent, ouais, ça n'avait pas été designé pour être multijoueur, mais non, je suis en gros PD. Des connards. C'est vraiment ridicule. Bon, et bah écoute, c'est quoi graines sauvages? Ah oui, c'est pour planter plein de trucs? Ouais, j'ai l'impression que c'est limite pour les, je sais pas, les herbes. Ouais, ok. Le chien est chez moi. Ah, oh, bon, il était chez moi hier. Super. Il faut déplacer les appâts sur la canne à pêche. Ok, bah écoute, demain, ce qu'on fait, on se lève, on va au centre communautaire et ensuite on retourne vaquer nos occupations. Ok, attends, par contre, moi, du coup, je vais vendre le reste des merdes que j'ai là et puis. Merde, oui, attends, j'arrive, je suis en train de pêcher. C'est quoi, je vais me chercher à boire. Bougez pas, les gars, je reviens. Dites pas de mal sur moi pendant que je suis pas là. Hein. Je trouve que c'est un très bon fermier qui se débrouille pas si mal pour un début. J'oublierai pas ces 2000 balles. Ça, toujours ça. Par contre, les gars dans le chat, ils sont complètement cons parce que du coup, il va vous lire. Oui, c'est un. The Big Retardation. Ombrageur, il a pas compris l'idée. Ombrageur, non, il a pas compris. Il est pédé. Il va pas le voir. C'est pas grave, mec. C'est pas. Attends, par contre, je suis quasiment presque reposé de fou donc.
Bah, de toute façon, c'est pas grave, faut passer la nuit. Sinon, il disait, c'est à 1h du mat, du coup, on tombe d'extinction. Il arrive, Yadar, ou... Ouais, j'arrive. Vas-y, j'y retourne. De quoi ? Dormir. Ah. Et du coup, tu peux quand même passer la nuit si t'es complètement reposé ou pas ? Ouais, je crois. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, t'es bien obligé de la passer à un moment ou à un autre, donc... J'en ai fait d'exprès de dire que j'étais con. C'est beaucoup trop calme. Moi j'aime bien. Ouais, c'est cool. Ça manque de mecs qui font n'importe quoi avec la cuisine. Ouais, niveau de cueillette, poteau. Nouvelle recette de cuisine, hamburger de survie. Oh ouais, plus un empêche. Attends, ça vaut combien un panais? Putain, mon poisson. En gros, 12 panais, 420 thunes. Enfin, ton poisson, il était trop à pêcher quand même, mec, donc... Et c'était plus... Allez. Par contre, du coup, il va falloir trouver le centre communautaire, là. Ouais. Bah, non, il est pas loin, hein. Il est juste au-dessus, en fait. Tu vas voir. Tant que t'es dans ta baraque, ça va, je crois. Ok. Ah, le chien, il est avec Wham. Je lui ai foutu un coup de houe encore. Bibou. Voilà. Et on se casse, on y va. Putain, il pleut sa mère. Ouais, j'ai du courrier. Est-ce que tu fais bien de lever chez Bibi? Ah, ouais, bah écoute, 500 balles. Tu veux des cookies? Attends, comment on fait pour... J'arrive pas à... Clique droit. Tiens, boîte aux lettres. Oh, je vais trop bien manger, non, j'ai, bon. Du non, j'ai des cookies, du coca. J'ai reçu un truc. Allez, vas-y, on se casse. Alors du coup, faut retourner au village, et c'est au nord du village. Sur la plage, il y a un pont cassé. Si tu récupères assez de bois, tu peux accéder à une autre partie de la plage. Ah, pas mal, ça aussi. Vache. Et B. Alors, faut monter là. Et ensuite, c'est dans le coin. Non, c'est pas là, je crois que je suis paumé. Attends. Si, ça sent là, là. Si, c'est tout au nord, ouais. Par là, je crois. C'est là. Ouais, c'est ça. Ok. Alors. C'est quoi le problème avec les rats, là? We are the rats. Faut fouiller, je pense. Et tiens. C'est... Là, j'ai vu un rat, ta mère. Qu'est-ce qu'il faut qu'on en foute? Faut que tu les chopes à la main? Bah, je sais pas. Et qu'on va choper le tétanos, hein? Oh là, attends, il y a des inscriptions cheloues. Oh là 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 là, ouais. Non, merci, hein. C'est pas la peine. On va pas encore invoquer les trucs parce que ça se passe toujours mal. Mais si, oh. Non, mais mec, on va se faire éclater le fion si on. Mais non. Tu sais que Cthulhu, il nous kiffe pas tant que ça en plus. C'est parce que ici, justement, ça ressemble beaucoup au. Bah, au coin de Graveyard Keeper. Oh, le coffre sa mère! Ouais. Va falloir bientôt voir le sorcier et boire son GHB. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ce jeu? C'était pas de la ferme au début? Ils sont où les rats? Bah, je sais pas. Faut pas un truc spécial pour les rats? Peut-être. Ah oui, si. Bon, en tout cas, on a plus la quête, hein. Ouais, bon bah écoute, ça doit être bon, je pense. Bon, on se casse. Oui. Le stream est pas coupé tant que vous avez pas un cheval. On peut avoir des chevaux? Je sais même pas. Je suis pas sûr. Je crois pas. Tu vois, j'ai essayé d'éclater le cerisier moi aussi, mais ça passe pas. Je crois qu'il y a des meilleurs poissons qui valent plus cher, bah sans doute. Hein. Attends, vas-y, je vais aller voir du coup sur la plage le truc avec le pont pété là. Il faut 300 de bois. Eh bah écoute, je vais aller choper du bois. Avec mon beau sac à dos. Graines de chou-fleur, printemps. Pour que je vais t'aider. Un plan. Attends, c'est quoi? Ouais, parcelle d'herbe. Ça va durer plus longtemps que la première partie de Uno. Ouais, bah, je sais pas si on peut. J'imagine que si on peut avoir tous les animaux de la ferme, on peut bien avoir un cheval à un moment quand même. Un catalogue donne un accès illimité au papier peint et au sol sans quitter le confort de la maison. Ah oui, 30 000. Bon, faut quand même qu'on les replante à un moment les arbres parce que j'avoue que là ça commence à être un peu. On dirait l'Afrique du Sud quoi. On peut planter, un cerisier, des abricotiers ou quoi, mais par contre en gros ça met à peu près 20 jours à faire. Et c'est des fruits, mais en été seulement. Il y a des chevals, mais c'est pas tout de suite, d'accord. Est-ce que c'est, assez réaliste du style, si tu gardes des panais, qui se font au printemps et que tu les vends, genre, en hiver, ça vous vaut la peau du cul ou quoi? Parce que du coup, ça vaudra peut-être le coup de les garder, quoi. Je pense pas, hein. C'est des montures pour aller plus vite, les chevaux. Ah. Moi, je me suis dit, les traire, ça va être un petit peu tendance. Tu vas avoir de la surprise, quoi, c'est juste ça le problème, quoi. Ça se boit, le lait de cheval? En tout cas, le lait de cheval mâle, je sais que non. Ouah, t'es sûr? Maintenant, le lait de cheval femelle, peut-être.
C'était un problème par contre de Graveyard Keeper, c'est que là tu vas au village assez rapidement, tu vois. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps d'y aller dans Graveyard Keeper et c'est assez chiant en fait. Tu passes pas mal de temps à juste te balader. Et c'est un peu plus relou. Là c'est sympa, je trouve ça plus sympa là. Oh, des graines d'érable. Ouais, c'est ça, c'est le genre de truc qu'il faut replanter, ouais. On les replante un peu n'importe où, de toute façon. Bon, oubliez pas, on va pas revendre nos... bois. Nos bois, on en a besoin. Je sais pas si on peut se les filer, par contre. Si, oui, bah si, on peut se les filer. Bah, si on les fout dans les coffres, au pire. Non, mais on peut se les filer un par un, je crois, aussi. T'as fait tout tomber à la flotte. C'était quoi, ce bruit? C'est quoi en dessous? Il me ramasse les bois, ouais. Tiens, je suis où, là? Ah. Ça, les gars, à quoi ça sert la sève? Bah, tu peux crafter des trucs avec. Enfin, tout à l'heure, j'ai crafté un genre de... de casse-dalle, en fait, avec. C'est pour remplacer la maillot, en fait. Ouais. Mmh, la bonne sève. Un ketchup sève. C'est les Mongols qui buvaient du lait de jument tout le temps. Ah, ils portent bien leur nom. Gogol. C'est... Ah oui, la tour du sorcier. Y'a quelqu'un qui veut ma sève? Oh, dis donc, bon public. On se connaît, mais bon, vous. Bon, écoute, j'ai 100 de bois là déjà. J'en ai 119. Bah écoute, filez-moi vos bois, je vais aller voir le truc. Je vais me reposer un peu, puis je vais aller voir le pont. Dans ma maison, dans mon coffre. T'es où toi, Racine? J'étais au sud de la baraque, j'arrive à la baraque. En fait, y a un genre de petite forêt au sud de chez nous. Donc plutôt qu'éclater notre propre exploitation, je suis allé plutôt là-bas. Je vais replanter 2-3 trucs. Voilà. 10 érables. 10 aiglons. Voilà. Vas-y, file ton bois. Ah bah attends, mais il est dans ma coffre. Dans ma coffre. Vas-y, je suis devant chez moi. Vas-y. Yes. Merci. Les gars, mais attends, mais je t'en file qui? On a filé un. C'est gentil, hein. Bon. Attends, y a, les gars, il y a un truc. Ah bah attends, je le fous dans ton coffre. Ouais, 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 là, ça va être long. C'est plus facile. Il y a un hôtel. Et sur l'hôtel, c'est écrit. Et je te file ça et ça et ça aussi. Yes. Je crois que c'était écrit c'est attends mon retour au premier jour de la troisième année. Le grand-père, il est mort, il va revenir. Eh, franchement, ce serait ouf. Tac, donc j'ai 292 de bois. L'avantage de la forêt au sud, c'est qu'il a pas besoin que tu plantes des trucs pour qu'il repousse. Ah, c'est bien ça. Ah! Ah bah il vaut mieux en fait aller taxer les arbres aux autres en fait. Il faut juste que j'éclate encore un autre truc là parce que ouais j'ai 292 c'est chaud. Il ressuscite, il y a des zombies. J'en ai un Ah bah vas-y fous ça dans mon coffre devant chez moi alors. Yes. Et ton chien il pète un câble dehors. C'est notre chien. Attends c'est bien. Elle est où sa niche devant, là. Il y avait 60. Ah oui non c'est que tu l'as sur toi. Ouais, ouais. Parce que au cas où vous seriez pas au courant, le chien faut lui donner à boire quand même. Ah. J'avoue que j'étais pas tout à fait au courant, ouais. Il est où le chien? Non, mais c'est bon, mais. C'est bon, il y a. Ok, j'ai la moitié de mon énergie. Non, mais legit, il pleut, du coup, ça va, sa gamelle est remplie d'eau. Hop, du bois, et bah écoute, après, des glands, de la sève. Sinon, on lui fout du. On lui file, comment dire. Tu peux te sève? Du temps, quoi. Donc... Voilà, allez, je vais aller voir la forêt, du coup. Comment on fait pour remplir le seau, du coup faut... Dans un lac. Ah bah oui, non, n'importe où en fait, d'accord, ouais. Ok. Sur le monde où tu vois de la flotte, tu peux le remplir. Ok. Oui, la forêt au sud, tu peux pas mettre 50 000 arbres et planter les trucs pour récupérer la sève, pas besoin de remplir la gamelle en vrai, ouais. Du coup, je pense que, comment dire, je vais commencer à faire genre un gros truc de panais, parce que ça se vend assez cher, et ça coûte pas trop cher. Tu veux dire que tu vas commencer à faire de l'agriculture? Ouais, vite fait. Mais ça dépasse entendement. C'est qui la routine là? Léa. J'entends des coups venant de ma hutte, c'est probablement que je suis en train de me faire enculer la chatte, d'accord? Ouais, je pense en plus c'est bien dans le jeu ça. Bah écoute, je lis ce que j'ai lu, hein. On peut éclater les arbres au village ou pas? Je crois pas. Putain. Oula, pas me gonfler longtemps la rouquine. Alors où est-ce qu'il est le pont pété? En bas à droite. D'accord, ouais, je vois, je crois que je vois le coin, ouais. Le locos, t'arrêtes de travailler tôt ce soir, bravo. C'est vraiment une feignance, le locos. Hein. Ouais, franchement, il branle jamais rien, le locos. Hein. Bon, du coup, le pont, il est fait. Ok. Il y a un cowboy, on dirait Macho Man Randy Savage. J'ai une vieille amulette à vendre, mais c'est quelque chose, me dit que c'est pas encore le moment pour toi, jeune fille. Ah oui, c'est vrai que je suis une meuf. Dis donc. Eh, je suis gender fluide, j'y peux rien.
Vas-y, je vais essayer de pêcher là pour voir. Léa, c'est une bac L. Oh, ça me plairait pas. Oublie pas de creuser. De creuser quoi? Oula, oula, oula. Putain, il est vénère le poisson. Ah, l'enculé de poiscaille. Ah, yes. Dis-moi que c'est un truc de... Une anguille. Putain, une anguille de 60 cm, mec. Ah bah... Ouais. Ah oui, il est vert quand il pleut, du coup, oui, faut pas oublier ça. Il y en avait devant Randy Savage, c'est vrai? Et quand tu les ramasses, les vers? Tu fous un coup de houe dans les vers, en fait, et ça te donne un trésor. D'accord, ok. Merde, ouais, non, ils sont partis, du coup. Non, ils sont partis, les petits vers, je crois. Bon, écoute, on verra plus tard. Pour l'instant, on continue de pêcher les trucs. Pita l'anguilla. C'est quoi ce bruit? T'as entendu ce bruit? Ça fait... Tu l'as entendu, Momo, ou pas? T'as pas entendu? Ça va commencer à m'inquiéter. Si on pêche le kraken, tu me défends. Hein. Non. C'est un monstre? Merci. Putain, mais ça va être encore une anguille, ça. Mais c'est super chiant de pêcher les anguilles, en fait. Ouais, mais du coup, ça coûte super cher. J'espère. Franchement, j'espère. Ça existe des mecs qui pêchent que les anguilles? La pêche anguille, je connais pas. Putain, mais c'est chiant de ouf! Allez, reste 51 cm, mon gars. Bébé. Anguille, 188 cm, mec! Oh la vache! Elle est plus grande que WAM IRL! Putain, il est déjà 20h! Vache! Ouais, le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Tu dis ça en plus avec le monde gusto, tu vois, je me dis. Le cowboy, il te vend une perle pour te marier plus tard, mais c'est cher. Ah, l'enculé, je peux pas filer juste une anguille! Elle est gold. Ah oui, ça se vend plus cher les gold, du coup? Ouais, j'en ai une violet. Et bien. Du coup, les anguilles gold, enfin, les anguilles en général, il vaut mieux les vendre. Enfin, ça sert à rien de garder les poissons avec nous, Nancy? Je crois pas. À moins que tu puisses faire des repas et les vendre, non? Non, je crois pas. Aran 43 cm et un cadeau, des appâts et du minerai de cuivre. Ok. Et du coup, est-ce que je peux prendre l'appât pour les... Non? Du coup, personne n'a été dormir, il est 21h. Qui ça peut te foutre? T'es flic? C'est quoi ça? Organisé? Non, ça on s'en fout. Je sais pas si je peux utiliser les appâts, en fait. Je pense qu'on peut pas. Par la suite, quand tu as grandi ta maison. Ouais, mais tu peux pas les vendre, je crois. 190 cm, l'anguille. Oh, putain la vache. Et j'ai eu un cadeau, en plus. Attends, vas-y, je vais essayer de... Yes, du charbon, ok. En vrai, le charbon, ça va être utile. Par contre, ça sert à quoi, les feux de camp? C'est pour faire de la bouffe, aussi, ou... Putain, j'arrive pas. Pas grave. Tu peux aller élever les anguilles et faire de la sélection pour avoir des anguilles de 300 mètres. Oui, ça existe pas, ça. Tu peux pas foutre des poissons, en fait, dans ton petit lac pour faire un genre de vivier, en fait. Non. Ta gueule. Les golds, en gros, ce sera pour le centre communautaire. Du coup, je fais quoi? Je le garde ou pas? On s'en fout un peu, non? Oh non, on s'en fout, on vend. Vas-y, il nous faut juste de la thune. Oh oui. Enfin, pour l'instant, il nous faut pas vraiment de la thune, mais bon. Demain, j'irai acheter des panais. Non, attends, je vais arrêter de pêcher là. Je vais retourner à la maison, moi. Ouais. Il me semble pas, en tout cas. Foutre des trucs à vendre. C'est bien, là. C'est sympa. On avance bien. C'est la première année, vendez tout. Vas-y, j'ai des palourdes, je vends des palourdes. Les gens, ils vont trop kiffer mes palourdes, wesh. Mais ça se passe comment, en fait? Ça veut dire que là, genre, on a un mois, c'est le printemps. On a un autre mois, c'est printemps, été, automne, hiver, quoi, en fait. On n'a pas, genre, tous les mois... Bah, je sais pas si c'est de mois en mois. Je sais pas. Je t'avoue que j'en sais rien. Oui, c'est ça, c'est de mois en mois, les saisons. Putain, ça passe vite, hein. On a oublié l'anniversaire du vieux. Mais on l'emmerde, non? C'est lequel, le vieux? Il va en avoir beaucoup, de toute façon. Je sais pas, c'est un vieux. Voilà, écoute... Je me demande s'il ne faudrait pas commencer à planter genre des gros arbres, parce que attends, c'est printemps, été, du coup ça veut dire... Mais j'ai planté plein de trucs, moi. Hein. Non mais des arbres, ça coûte super cher, mec. Je te parle pas juste des arbres, tu sais, qu'on coupe juste pour du bois. Il y en a pour... par contre, il va être... faut vite aller se coucher, parce que après tu vas tomber dans les vagues. Ouais, je suis chez WAM, moi. Je suis chez WAM, attention. Il y a Merlin qui va vous faire prendre de la drogue. Arrêtez de parler de la drogue depuis tout à l'heure. Il y a genre. J'ai vu qu'il y avait des cerisiers, mais ça coûte 4000 balles. Eh bien. Ah, mais c'est bon les cerises. Et bah voilà, regarde. J'ai une nouvelle ok, yes. 1400 balles, on s'est fait cette nuit. Du coup, est-ce qu'on on dépense pas pour l'instant dans les arbres, non? Si je sais pas. Bah non, continue sur les panais, mec.
Ouais, déjà, on se fait masser. Tu veux bientôt recevoir une île du sorcier, si tu vas le voir, il va vous donner de la drogue. Civis Panem, qui... Oh, il y a un mec devant chez moi. Clint. Ah bah tiens, mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendras-tu pas me rendre visite? J'habite à l'ouest du lac de la forêt, dans la tour de pierre. J'ai peut-être probablement des informations concernant ton problème de rat. Oh mec, il m'a filé un plan de construction pour des fournaises. Mais non, mais je suis trop jaloux, c'est trop bien. Passe à ma boutique avec 75 pierres et 1000 PO si tu décides de franchir le pas. Bah, j'ai 18 pierres si tu veux là. Eh hey, poto, tu sais ce que je vais faire moi? C'est ce que je vais faire. Je vais construire une fournaise et je vais aller bosser à la mine. Ça va être ouf. Est-ce que tu veux... Du coup, t'as besoin de combien de cailloux? Attends, je sais même pas... Attends, faut l'activer le plan? Ah non, c'est que t'as construit... Bah attends, par contre... Bah attends... Faut des lingots de fer. Attends, mais attends, elle est où la fournaise? Ah oui, non, c'est là, ok. Minerai de cuivre et pierre. Bon, du coup, j'ai quelques minerais de cuivre, mais c'est pas... Elle est où les mines? Ils avaient pas dit que c'était en haut à droite du village? Ouais... Si, c'est ça, en haut à droite du village, vas-y. Ouais. Russie, elle va faire une germinale, mais t'es ouf, mec. En parlant de Germinal, le magasin de bouquins de ma mère s'appelait L'Assommoir, pour les littéraires d'entre vous. Ah non, c'est pour construire un puits. Je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de la ferme. Si tu en as trop, je peux éventuellement te construire un puits. Vas-y là-bas. C'est pratique pour remplir ton arrosoir. Bah attends, il y a un lac juste en dessous, qu'est-ce qu'il s'en fout ça. Dans la mine, il y a des mobs. Je les emmerde. Et dans la vie, il y a des cactus. Je sais pas si tu savais ça. Parle pas de L'Assommoir, pourquoi? Plus j'ai jamais lu L'Assommoir, je sais même pas ce que c'est. C'est un bordel, non? C'est pas un genre de bordel? Une boîte à cul, quoi. Bon. Ce serait pas étonnant, hein. Ouais, de la part de Zola, ce sacré briscard. Un livre chiant sa mère. Ouais, bah écoute. Ah, bah y'a peut-être pas de cul, en fait. Attends, quoi, il va peut-être falloir filer du chien. C'est pas là, hein. Non, c'est qui ce mec? C'est un prospecteur. C'est quoi les espèces de petites shrines qu'on voit de temps en temps qui font très peur? Je sais pas, mais je suis en fait à la fin ça va devenir terraria vraiment. En fait, là on est en train de faire. Bah, c'est marrant de pêcher, mais. Ah, je lui éteins son feu à ce gros loser. On peut rentrer c'est par là. C'est pour se TP les shrines apparemment. Ah. Bon, du coup, je vais racheter une dizaine de panais. Putain, je suis pas du tout à la mine en fait. Ok. Je suis allé chez un vieux, je suis rentré dans sa tente, ça sentait la pisse. Lui c'est un clodo. Mais c'est un prospecteur quoi. Il est avec sa tante, il cherche des trucs. Hey. C'est quoi, minerai de cuivre. Il y a une. Oh, putain. Ah, je veux miner avec Momo moi. Comment je passe? Ah là sa mère. C'est bientôt l'anniversaire de Vincent. On s'en bat les couilles. M'en fous. C'est qui Vincent? Ouais, plutôt... Ah c'est le gamin Vincent, il m'a parlé tout à l'heure. Il a dit hey. Et j'ai pas entendu après. C'est quoi ça? Oh, un réfort sauvage! Je sais pas ce que ça veut dire. Du réfort, ça veut dire un truc. Oh, des oiseaux, ils sont trop mis! Putain, je voulais les éclater, j'ai pas vu. Ah oui, du coup, je viens de voir où tu l'avais acheté ton truc. Il y avait un pont en haut à droite? J'ai pas vu. Faut que je retourne par là? J'ai déjà 10h, j'ai déjà pas trouvé le chemin pour aller à la mine, mec. Attends. T'inquiète, moi je l'ai trouvé. Par le pont là? Ah oui, là! Bah non! J'ai acheté 15 graines. Non, y a pas de pont là! Non, mais vous êtes con! En haut! À droite! Oui, bah oui! Le réfort sous-famille des brins, cultivé pour sa racine à usage. Si vous êtes con! Oui, mais le réfort, oui, c'est comme de la sauge, quoi, en fait, limite! Ha! Oui, c'est des trucs que tu mets dans ton plat comme du poivre! C'est un genre de tubercule, quoi! Putain, la vache, j'en utilise des mots savants. Ouais, bah j'ai pas sorti sauge devant tout le monde. Sauge! Devant tout le monde en plus, la honte. Bah ouais! Là, tu connais les trucs! Non, mais casse-toi, le batteur là, Marlon, je m'en bats les couilles. Il est verrouillé, trop bien. Oh l'enculé. Ah, donc finalement, tout le monde vient à la mine quoi. Non, moi je Ah, bah oui, moi aussi du coup. Bah écoute, merci Marlon. Bah, s'il y a des mobs, du coup, c'est plutôt utile que. On peut taper avec la faux aussi, du coup. Pire, continuer, moi je vais faire la tuile. C'est de la merde. Oui, bah, et nous, on va faire quoi, connard? Taper des trucs. C'était quoi ce. Hors service, ah d'accord. Et ça, c'est faut quoi que tu prennes les chaînes. Ils vendent des armes chères. Putain, Marlon, mais il y a combien d'étages lui, en fait? Lui, il est en haut, attends, à droite du clodo, lui, il est de la guilde des aventuriers, c'est à droite de la mine, ils vendent des armes chères. Y a un truc là ou quoi? Non, y a que dalle. Ok. Je sais pas, c'est des gisements qu'il faut trouver en fait? Tu tapes dans les trucs et puis tu trouves des trucs. Dans quel truc? Dans le mur dans où il y a des gisements?
Là, dans les cailloux, tu t'abats. Ah oui, dans ça, d'accord, mais si on n'avait pas... Ah oui, non, mais c'est con, oui, forcément, vu qu'on a tout... oui, bah oui. tu voyais pas... Oui, je... Tiens, du coup, c'est pas du cul, ça maintenant que j'y réfléchis, si tu veux, ça paraît que ça me paraît logique. Oh putain, y'a un truc. Qui sa mère. Là, c'est juste que en tout creusé. Attends, vas-y. Je lis le chat, hein, mais moi, je comprends pas. Oui, d'accord, c'est juste qu'on tout creusé. D'accord, ok. Vas-y, faut qu'on y tout. Oh putain, un petit minerai de cuivre. Après, on se chope une fournaise et après, moi, je me spéminage, mec. C'est quand même beau la Startup Nation. Bah écoute. Ouais. Oh, c'est quoi ça? Je veux ça, moi. Oh, du quartz. Attends, on peut même éclater les caisses. Oh, une vieille carotte des cavernes, mec. Oh, oui, putain, y a un blob, y a un slime, Oh, bah, culé de slime. Ah, les ennemis pour l'instant ne représentent pas vraiment une grosse prise de risque. Oh, c'est quoi? Attends, c'est un mimique! Putain, il bouge! Y'a un putain de mimique! Oh mec, c'est quoi? Il chie du surimi ou quoi? Ok, c'est bon. Petite bombe! Ouais. Je trouve une bombe. Je peux en crafter une, moi, mais je sais pas quoi ça. Ah, c'est pas pour déconner quand tu disais une bombe tout à l'heure en fait. Ah non. D'accord, ok. Tac, c'est quoi S du coup à côté de E? C'est la santé. D'accord, santé et énergie maintenant. Ouh! Oh, il y a bleu. Nique ta mère. Oh la vache, regarde. Il y a un surimi, boy. Les caisses, c'est à l'épée que ça se lâche. La bombe, ça casse les cailloux et ça blesse. D'accord. Ah putain, j'ai pris des dégâts. Oui, il m'a croqué le flou. Tiens, allez. Mais moi, je suis épuisé. Moi, je suis en pleine forme. Eh bah, c'est super. Un mec, il propose des solutions, c'est cool. Moi ça va. J'ai plus de place dans mon inventaire par contre. Je crois que tu peux faire meubles en slime. Ah. Ça c'est dégueulasse par contre. J'avais un pote mexicain, c'était son fétiche les slime girls. Tu l'as déjà dit je crois. Oui. C'est dégoûtant. Et c'est dégueu ouais. Et ouais c'est dégueu ouais. Tiens ça ici. Du coup je sais pas trop quoi en faire de la petite bombe. Tu penses qu'on peut... On descend par où là sa mère? À gauche. Ah par là ouais. Y aurait pas des comment des coins qui sont pour l'instant bloqués qu'on ouvre avec la petite bombe? Je crois pas. Ah si, tu peux quitter la mine direct, ça c'est cool, t'es obligé de te remonter à la main. Ah ouais, comment? Bah tu prends une échelle qui remonte et tu fais quitter la mine. Ah ça va te proposer? D'accord. Je vais me casser parce que j'ai plus d'énergie, ça sert à rien que je reste ici. Dans l'anime avec les mêmes qui visitent des putes à Skip, la slime girl est pas mal. Mais c'est dans comment ça s'appelle? C'est cool, le titre. Fais pas genre t'as pas le titre Hoffman. Attends, la meuf elle s'appelle Melona je crois. Dans... Allez, les melons. Attends, merde. Penser à des choses. C'est marrant ça. Issues the cool reviewer. Queen's Blade. Ah. Enfin, je crois. On m'a dit. Non, c'est pas Queen's Blade, toi, c'était pas Queen's Blade dont vous parliez, d'accord. Non, mais il l'a dit, Alan. Attends, je suis fatigué, mais je suis en train de me la contre des putains de slime. Quoi, du coup. Un truc avec des meufs à poil. Littéralement, c'est que ça, mec. Hein. C'est juste un prétexte pour montrer des meufs à poil. C'est toujours des prétextes pour montrer des meufs à poil. Tiens, oh putain, j'ai trouvé des baskets. Vas-y, je me casse. Oh, le bâtard. Il tire. Il a chouré sa paire d'Adidas. Mec, attends, je peux en faire quoi? Déjà, est-ce que je peux manger ce petit fruit, là? Du réfort sauvage, je vais à peine choper la chiasse. Est-ce que je peux mettre les baskets? Oh, j'ai des baskets rouges, mec. Statue jaloux. Je cours plus vite. J'ai pas l'impression que je cours plus vite, là. Si. Ah, si, remarque, peut-être. Oh, y'a un black. Oh, y'a un black, une rousse. Bonjour, monsieur. Démétrius. Putain, le vrai nom de black. Marou, mais parfois labo, c'est une brave petite. Et j'imagine que c'est elle, Marou. Non, elle s'appelle Robin. Tu sais, j'ai construit notre maison moi-même. Putain, je m'en bats la race. La vache. Tellement je m'en bats les couilles. Queen's Blade, un animé sur des meufs à poil qui se battent, qui a 4 ou 5 saisons. Et elles n'ont de cesse de se pisser dessus aussi. Je sais pas pourquoi. Oh la vache, le nombre de trucs. Forgé, ouais. Le sorcier, et explorer la mine. Faut atteindre le niveau 5, mais pour l'instant je suis claquos, donc je vais pas faire ça tout de suite. Combien on a chopé de minerais de cuivre? Moi j'en ai 1. 2 moi. Waouh, il en faut 20. Moi j'en ai pas. Juste des petits cailloux et du charbon. Putain la vache. Ça va être long, je pense. Mais quelque part, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Tiens, je vais manger une jonquille. L'autiste du vrai clodo, quoi. Tiens, je vais manger cette jonquille. Il est où le petit chien? Dans la maison. Le tichier.
Vas-y, je me casse. 19h30. Yeah, il est pas là. C'est un scientifique. Elle, elle a grandi ta baraque et tout. Ah. Du coup, je fais un petit chemin de cailloux qui relie nos maisons. Oh, c'est beau. Pourquoi c'est faire un que dalle, hein. Prends le sac à dos à 5000, Rizkan. Mais en plus, là, on a 6000, donc vous pouvez tous prendre un sac à dos, justement. Je vais attendre. On attend au moins que les panais, enfin, la, comment dire, les récoltes sont prêtes. Après, on s'en bah, prend, je vais rien vendre, en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai que des trucs... Genre, j'ai deux géodes. Moi, j'ai trois améthystes. Ah non, deux améthystes. Un mélange de couleurs. Les géodes, vaut mieux les ouvrir, en fait. Bah, je vais aller voir le forgeron demain, tiens, pour aller l'ouvrir. Ouais, pareil. Un don. Oh, petit chien. Bonjour, petit chien. Ça va ? Ouais, je te kiffe. Hop, allez, je dors. J'aime beaucoup ce jeu, finalement. C'est beaucoup trop calme. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Mais ça, c'est le genre de truc, tu sais, tu le relances, tu fais, tiens, vas-y, je vais faire des trucs. Je pense qu'on a bien fait un bon choix, tu vois, de prendre Uno en première partie et ça en deuxième, tu vois. Bah, c'est l'inverse, ça aurait été wild. Ouais, l'inverse, je pense, ça aurait été vénère. Alors, les gars, vous êtes prêts à faire la ferme ? Ah ouais, trop bien. Tu sors, putain de fils de pute, ah, avec ton set, là. Agriculture, ah bah oui, mais... Zéro. Ouh là là. Ouais, on a bossé. C'était moyen. Productif. Non, mais là, on a bossé sur le long terme, surtout, ça qu'il faut dire. Ouais, voilà. Rajar qui demande si les plantes sont arrosées. Oui, je les arrose tous les jours. On investit sur le futur. Ah, moi je retourne à la... Donc je vais aller au forgeron et ensuite je vais retourner à la mine, moi. Qu'est-ce qui me bloque ce clodo là, Clint? Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il t'a? Mais attends, il y a un musée. Laisse-toi ta gueule, t'as cru que je viens de te parler ou quoi, toi? Where is the museum? Mais du coup, Spider, occupe-toi des panais, hein. Ah non, mais t'inquiète, hein, je fais que ça. Mais en fait, il faudrait que quelqu'un s'occupe des panais, quelqu'un s'occupe de la pêche. Moi je prends la pêche. Et bah, va pêcher. Et puis moi et Momo, on va aller miner ensemble. Juste passer au musée avant. Si, parce que en plus là je me suis fait gank tout à l'heure par deux connards. Si on pouvait deux, ce serait plus agréable. Je vais prendre... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense genre pas mal de thunes? Attends, on peut aller acheter les sacs du coup ou pas? On attend. Pourquoi? Pour les sacs. Bah allez-y, hein. Moi je vais en prendre un parce que... Ouais, bah oui, quitte à faire maintenant, si en plus justement on bosse pour vendre un maximum... C'est fermé, bah t'écoutes, en attendant je vais aller pêcher. Ça c'est une phrase que tu peux dire tout le temps, hein. Putain oui, c'est ouvert à 9h. Pas besoin de se spécialiser, on va pas se perfect run. Mais toi, de toute façon t'as rien compris, toi. Mais je comprends jamais rien. T'es un connard, le Rajar. Tu peux aller niquer Penny en attendant, là? Ouais, non, mais t'inquiète, il y a juste à aller tout droit, et puis... Par contre, je t'avoue, je... Oh, des germes de riz! Je surkiffe pas trop la pêche. Genre, le fait de voir cliquer... Je kiffe la pêche, moi. Ouais, c'est trop bien. Comme un bourrin, justement, ça a besoin de subtilité, c'est pour ça que t'aimes pas. Attends, vas-y. Ta gueule. Vous avez vu le mec... au musée ou pas? Non. Attends, merde, faut que j'y aille. Bah, mec, allez-y, je te jure, il a une putain de gueule. Attends. Yes, max. Du coup, vaut mieux lancer quand c'est dans le vert, en fait, là, ça sert à rien de lancer, genre... Quand c'est au max. A fait un don de parchemin des nains au musée. Ouais. Ah, c'est là, le... Je vais pêcher là jusqu'à ce qu'il soit 9h, et ensuite je me casse. Putain, il est trop stylé, le pas mec. Pas besoin de lancer en max, bah, je sais pas, en fait. Ouais. Ici, hein. Non, rien. Fini. Ça merde. Ah bah c'est de la merde, parce que je pêche ici, ça doit être tout pourri ce que j'ai chopé ici et... Ça gâche de l'énergie de relancer. Achigan à petite bouche, ah bah tiens, voilà, j'ai trouvé ce qu'il voulait l'autre pute. J'ai ramassé, oh, un joujou cola. Et ça c'est le musée ça du coup. Ouais. Un joujou le coca. Ah oui, c'était lui tout à l'heure, la Gunther, bah oui. Est-ce que si on file du coca au vendeur, il va nous faire des remises? On peut améliorer nos... Oh ça coûte cher de ouf. Salut grosse merde, coupe-moi des géodes. Non, je veux pas améliorer les outils, je veux que tu m'éclates une géode s'il te plaît. Allez, le sac à dos qui coûte 2000. 3 charbons. Hop, 100 balles. Et de l'argile. Eh ben, dis donc, fallait pas, mec. Je peux pas te piquer son bol là? Oh putain, je suis pas sûr que ce soit un bol. Mais si, j'en ai un chez moi aussi. On peut aller acheter le sac à dos. Mais du coup, limite, on pourrait en acheter du minerai de cuivre, les gars. Limite, ouais. Mais autant l'éliminer, non? Bah ouais, de toute façon, pour l'instant, on va acheter les sacs à dos et ensuite on va aller miner parce que. Enfin, on va miner plus que acheter des trucs parce que. Il était le forgeron non était plus, où ouais. Déjà au nord-ouest. Au-dessus du musée. Juste au-dessus du musée. Ah, ouais. Allez. Et au musée. Bah, en dessous de le forgeron, mec. Faut suivre un peu ce manière. Putain, c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein, tu suis pas. Hein. Pourquoi il y a un jardin d'enfants, je peux jouer? Putain, c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant ce que t'es en train de dire. Ah, j'ai des frissons, sa mère.
Je suis pas Adwim. Mmh. Ouais. L'argile, tu peux le donner au musée. Bah, j'ai la flemme. Pour l'instant, je vais aller miner des trucs. Je vais manger une jonquille d'abord. Je fous bien. Oh putain, c'est quoi, mec? Il y a l'autre qui a tabassé sa femme là. Ah, Sébastien, bonjour. Putain, mais ils vont pas de sac. Comment il s'appelle le gars de Noir Désir? Voilà, c'est fait. Mais non, c'est le mec d'Indochine, ça, t'es fou. Merde, c'est lequel? Bah, je sais pas, moi. Parce que Quentin, il était pas un peu comme ça aussi? Ah, moins, non? Donner, c'est pas ouf comme terme. Je sais pas, hein. Oui. En général, je sais ouais, pas. Ouais, donner, moi, j'aime pas non plus. Le mec de d'Indochine, il est plus. Avec. PD? Machin. Non. Enfin, c'est quoi que tu si. Veux dire? Non, si, si, non, t'as raison. Ouais, non, oui. Oh putain, oui. Donc, du coup, ça repousse le lendemain direct en fait. Ouais. Pourquoi il y a une autre pierre qui repousse? Il ressemble plus à Sirkis qu'à Cantor. Ouais, Sirkis, c'est ça. Andy Sirkis, c'est ça. C'est qui? Le gars qui fait les mocap pour Gollum. Ah. Et du coup, il y a un truc, il y a une mission, c'est atteindre le niveau 5 de la mine. Ouais. J'ai envie de dire, Momo, viens. Ouais. On s'en fout des cailloux de merde, hein. Ouais. Attends, essaie juste de choper ceux qui ressemblent à du cuivre de loin. Je sais pas si c'est randomisé par contre l'apparence. Aucune idée. Maison forgeron. Vous avez peut-être des trucs plus intéressants quand vous allez direct au plus profond de la mine. Ouais, bah c'est ça, ouais, on va essayer de tracer jusqu'au niveau 5. Là, on est au niveau 2. Oh, attends. Oh putain, les trucs qui volent. Casse-toi le slim. Casse-toi le slim. C'est quoi ça? Cristal de terre, Audi. Oh putain, on est en train de l'enculer. Oh non, salope. Allez, nique ta mère. Ouais, attends, ça c'est cool ça, non? Ouais. Ça boum, c'est 3000 raies de cuivre, mec. Eh oui. Tac, allez, niveau 3. Du coup, ça va être de plus en plus chaud, j'imagine. Et ouais. S'ils veulent qu'on aille au niveau 5, j'imagine que c'est là-bas qu'on va avoir des boss. Aucune idée. Par contre, on voit que dalle. Ouais, mais on voit un peu mieux après. Je sais pas si c'est un sentiment généralisé ou pas. Ah, d'accord. Tu peux crafter des torches, hein. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir, en fait, non? Parce que j'imagine qu'ils vont nous forcer à le faire. Ce serait pas déconnant. Fais gaffe, parce que la salope avec la fleur, là, y'en a une avec une fleur en bas, là. Elle est plus balade. Attends. Elle m'a pas dabadé. Ah, bah, dabadé? Bah oui. Putain. On peut améliorer les outils du coup pour les foutre en cuivre et tout. Ouais. Nécessite 5 lingots de cuivre et 2000 balles. Salope. Ça coûte super cher. Tiens, carotte de caverne. T'as fait tomber une carotte. Tu vas crever ta mère toi. Elle est balèze hein mec. Voilà. Oh les baskets putain. Tu vois, on a encore 2 niveaux après hein. Et je cours plus vite ou pas? Ah non, j'ai plus de défense. Putain, mais elle va claquer cette espèce de pute avec sa fleur là. Je t'emmerde. Bim! Petite bague scintillante! Oh! Et je vais pouvoir ken! Chanceux! Bim! Vomir en plus! Putain, la pharmacie. Faudrait qu'on essaye de tous ken la même. La pharmacie, c'est la famille! Tu veux qu'on se marie tous avec. Avec quelqu'un! Faut qu'on en choisisse une alors! Ouais, mais on se marie tous avec la même! On prend laquelle? On prend une vieille! Oh non, je sais pas si tu peux te marier. On prend Gunther, mec. Oh ouais. Mec, on va prendre Gunther, hein. On a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Hein. Par contre, j'ai ramassé un petit crabe. Oh, merde. Salope. Attends, c'est la merde. Y'a l'autre qui saigne des surimi encore, là. Je peux descendre direct? Ok, niveau 4. Oh la vache, y'a des gros cailloux ici. J'ai noté, oh c'est pour moi ça, après juste t'ai dit je vais pouvoir ken, j'ai effacé. Pounz, elle a vu la petite bague scintillante, elle était direct, ouais c'est pour moi ça, la pie quoi. une guéode. Ah, me mange pas petit slim. Ah putain, j'ai pêché le slime, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ça marche pas. Non, ça marche vraiment pas du tout, mec. Et allez, attends, je vais manger un poisson, tiens. Bim. Vous êtes allé voir le sorcier du coup finalement ou pas? Non, encore. Pas le temps là. On est en train d'être des héros, je crois que t'as pas compris. Mec, il comprend pas qu'on est en train de bosser là. Putain, quelle grosse merde ce mec. Tiens, regarde, y'a plein de minerais de cuivre là, je pense. Bim, 3 en plus. Je vais aller le voir hein. 4 en plus. C'est où la suite? Par là, je pense. Y'a encore des trucs, des saloperies qui volent. Aïe, Dieu. Oh le mage. Allez. Putain, c'est quoi le bruit? Ah oui, non, c'est une bestiole, c'est encore. Ouais, on s'en fout. On se casse. Bah, c'est pas là? Bah.
Non, mais en fait, l'échelle est cachée sous un cahier. Ah oui, c'est vrai, c'était ça aussi tout à l'heure. Ah bah, en fait, il nous force à miner quelque part. Ah bah, c'est là. Trouvé. Hop là, tac. Wouah. On y est, mec. Ah bah, c'est niveau 5, ça. Yes. Finally. The truth about Hitler's diabolical plan. Les échelles, c'est random dans les cailloux. Ok, ouais, d'accord. Allez, nique ta race. Bon, attends, on visite un petit peu, puis on essaie de prendre la porte après. Vas-y, il y a le sorcier, là. Il veut qu'on s'aime. Nique ta mère. Voilà. Vas-y, je veux pas le sorcier. Et encore une échelle. Ah oui, c'est, donc c'est pas, en fait, c'est pas la fin du tout, man. J'ai skippé la scène. Ça. Yes, vas-y, skip la narration, c'est bien. Équipe ta bague. Attends, je commence à être, je crois que mon perso commence à être claqué en plus. Émet constamment une faible lumière. Ah, une faible lumière, c'est façon de dire. J'ai l'impression que c'est éclair de ouf, en fait. Non? Attends. Il y a genre 100 niveaux. Putain, la vache. Ah ouais, d'accord. Parce que mon perso, il commence à avoir un peu faim, là. Je peux manger de la viande d'insecte? Non. Ou du minerai de cuivre, non plus. Allez. Putain, je crois que je peux rien bouffer. Je peux... Même la viande d'insecte, vraiment, je peux pas? Genre, non, je peux pas. Je pense que je suis condamné à avoir faim, en fait. Vas-y, attends, je vais aller voir la porte. Parce que du coup, je commence à être un peu épuisé. Apparemment, il y a 100 niveaux sur le donjon. Et il y en a What? D'autres dans d'autres maps. Oh, viens voir. Sur la porte, j'arrive. C'est marqué 0 ou 5. Ils disent pro, là, ah, mais non, c'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Ah, c'est un short cul. Et du coup, maintenant, on l'a débloqué au niveau 5, donc on pourra y aller direct après. Et Zach. Eh ben écoute, c'est quoi, je vais continuer à miner ici. Ensuite, ouais, je vais retourner à la maison. Oh, putain, il est déjà 20h en fait. Putain, il va se faire enculer par les parents. Enfin. Putain, il est fermé cet enculé. Tu te fais enculer par tes parents, toi? Bah, quand je reviens tard, des fois. Papa, il est pas content. Papa, il prend le, Martinez. Ah ouais, ouais. Hey, Martinez, c'est Ramirez. Ok, mon perso, il est claqué. Allez, je me casse. Je te suis. On rentre à la maison. Eh, le dîner, il est intérieur de près, hein, parce qu'on a bien bossé, nous. Ta gueule. Bon, de grosse merde. Pardon? Ouais, j'ai bien pêché. Mais j'étais mort. Ok, j'ai 47 pierres. Donc il nous fallait 20 de chaque, je crois. Attends, par contre, 20 de chaque de quoi? Pour faire une fournaise. La fournaise, parce que du coup, moi, mon goal, c'est de faire une fournaise et ensuite de faire des lingots, tu vois. Mm-hmm. C'est ça un peu que j'envisage, tu vois. On est la méga forge, donc il faut qu'on forge. Sinon, si on forge pas, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que j'émets un petit peu de lumière quand je marche maintenant, du coup. Ouais. Oh, c'est bien les petits chemins de cailloux. Ça doit être chiant pour dormir, par contre. Les nanas à la mine et les hommes à la maison, c'est progressif. Bah non, moi je suis neuf. Elle est trop bien la petite bague scintillante de ouf, hein. Ah, j'ai mon petit brasier chez moi. Les cartes, c'est un raccourci que tu débloqueras plus tard et il y en a un au-dessus de chez toi. Non ! On peut direct aller à la mine de chez nous, quoi. Oh, c'est du staccanovisme bien avancé. Attends, je vais vendre 2-3 trucs quand même. Est-ce que tu penses ça que... Ça se vend, ça ? Ouais. Pour l'instant, le truc qui est mieux par rapport à Animal Crossing, c'est que tu dois de la thune à personne. Il y a pas Tom Nook qui vient pour te niquer ta race à chaque fois que tu fais un truc. Ça, c'est bien. Plus tard, ouais, bah plus tard, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Soit le changement que tu veux voir, Ombrageur. Plus tard, c'est tout de suite. Ah, il y a Momo qui veut de la tendresse amicale. La tendresse fraternelle. Ah, niveau 1, extraction minière. Nouvelle recette de fabrication, petite bombe. Petite bombe, c'est moi la petite bombe. Belle de Marvel. Bon bah écoute, 800 une balles. Platine, une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer ma tafette. Je ne l'ai pas. Alors fais voir. C'est comment. Comment on fait la fournaise? Mes panels, normalement, ils sont bons là. Putain, oh. Ouais, il y a des tonnes de panels. C'est Robin, je sais qu'il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme. Si t'en as trop, tu peux éventuellement te construire un puits. Tu peux dire. Oh! Non, mais ça sert à rien le puits. Ah, 75 pierres et 1000 PO pour décider de franchir le pas, d'accord. Mais c'est vrai, ça sert à rien? Un puits, quoi. Ouais, mais tu peux le mettre devant les. Genre, j'espère, la vieille mine, t'as l'esprit d'aventurier. Si tu peux tuer 10 slimes, tu auras ta place dans ma guilde d'aventuriers. Oh! Ouais. C'est Marlon en plus, c'est le mec qui était venu nous pimper la race tout à l'heure. Alors attends, artisanat, fournaise, donc il faut 20 minerais de cuir, je sais plus combien j'en avais dans mon coffre. Dis-moi que j'en ai... Oh ! Ok, je vais pouvoir faire la fournaise. Et là mon gars, j'espère que vous êtes prêts. Tu vas enfin passer du temps avec tes amis. Parce que ça va éclater là. Non, non, mais au contraire mec, t'es fou quoi, j'ai une fournaise, je vais faire que bosser maintenant. Chien. Attends.
Je vais pas la foutre là, là. Oh, ah putain. Oui, les récompenses de guild quand tu fais les 4... Les quêtes d'extermination, ça rapporte. Qu'est-ce que ça fait? Comment on fait? J'imagine qu'il faut faire genre si on fout du charbon dedans. Mais c'est 5 minerais. Il faut 5 de chaque, j'imagine. Genre si je fous... Oula. Est-ce que t'as éteint mon... ma fournaise, espèce de sale fils de pute? J'ai non, même pas vu le nom de la ferme, j'ai eu un petit rire attardé. Quoi, t'aimes pas la... C'est quoi, chat? Ou... Non, ferme cul, ouais, c'est bon. Ferme cul, ouais. Comment on voit l'avancement du truc? 10 panais. Peut pas? C'est long à non. cuire ou pas? Je sais pas. Ah non, ah, attends, je te l'ai volé. Attends, je te le remets dans ton coffre. Non, faut tu le mets. Dis-moi juste ce que c'est. Bah c'est un argot. Vas-y, filez-moi. Faut mettre, ça a mis les 5 minerais et automatiquement ça a mis un charbon. Donc ça a fait un... faut mettre, ça a mis les 5 minerais ouais, et ça a mis... D'accord, ok. Donc ça m'a piqué un charbon, d'accord. Et on n'a pas une liste de ce qu'on peut faire fondre du coup là-bas? Parce que... Je saurais pas dire. Pour les gonzesses là qui bossent, j'ai des germes de riz si vous voulez. Ils disent quoi en... Comment dire, faut le planter comment? À planter au printemps, il faudra 8 jours pour arriver à maturité, se développe plus rapidement après planter près d'un plan d'eau, pardon, à récolter à la faux. Tiens, je fous ça dans ton, dans ton coffre, ouais. Là. Allez, mais bosser. À la mine. Tous les minerais, cuivre, fer, argent, or, etc. D'accord, ok. Je vais continuer à aller un petit peu à la mine. J'ai eu du minerai de fer dans une géode. Et bah, fous-la dans mon coffre. Je arrive. C'est sympa de bosser à la mine. Je sais pas pourquoi les mecs ils se plaignent. C'est parce que ça, c'est pas la vraie pierre. La pierre, ça sert à quoi? Bah pour construire d'autres trucs, je crois. C'est un matériau de construction plus que autre chose. Les petites plantes de spider, elles sont trop bien. Ouais, c'est mignon, ouais. Mais ça vaut pas le boulot à la mine, putain. Niveau 5, on éclate des slimes. Ensuite, il y aura des loups-garouks. Pas de pierre. Pas de palais. Pas de pierre. Je l'ai mis dans ton coffre dehors. Pas de construction. Oh, elle est jolie la fournaise. Pas de palais. C'est qui ce clodo là? Mais c'est l'autre là, il glande, il est. Oh, c'est Linus. Oui, t'as vu? Bah, putain. Tout. La pierre, c'est pour construire genre les extensions de maison, poulailler, grange, étable. C'est le monde à l'envers, les à la mine, les hommes à la maison. Exact. Il va falloir du coup... Il a censuré femme. Il est pété, lui. Il est dysfonctionnel. Tu dis si tu veux, hein. Tu dis si t'as envie d'aller. Bon, allez, au boulot. Et voilà, tu sais pour ce que je lui dis. Voilà. Oh, bah tiens, j'ai découvert l'échelle pour l'autre niveau. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on reste ici longtemps en fait, si... Je sais pas à quel moment il faut qu'on décide d'aller plus en bas en fait, tu vois. Non, je vois pas de quoi tu parles. Bah je vois pas à quel moment il faut qu'on décide de changer d'étage plutôt que perdre notre temps à nous user la bite, à miner sur un étage, tu vois. Ah ouais. Faut descendre dès que tu peux apparemment. Ouais, je pense hein. Faut descendre dès que tu peux, d'accord, ok. Je pense que t'auras plus de loot ou un truc du genre. De loot. Du loot. Loot. Attends, j'arrive pas. Ah non, faut pas le miner. Oh, du quartz. Je veux du quartz. Du quartz. C'est dangereux, Stardew, c'est ce genre de jeu où tu vois pas le temps passer en urgent. Bah ouais, bah il est quasiment minuit là, et en fait j'ai l'impression que je peux continuer encore 6 heures, tu vois. Donc, oublie pas de tuer 10 slimes. Et bah écoute, ils arriveront quand ils arriveront, les 10 slimes, hein. Je sais pas. Toons, mi-gérante de zoo, mi-fermière, zéro vie sociale, très satisfaite. Bah attends, là si Ashup Stardew Valley, parce qu'en plus Stardew Valley c'est le genre de jeu qui pourrait complètement passer sur ton PC, Poons. Ouais. Donc entre ça, Harvest Moon sur la 3DS et le prochain Animal Crossing sur la Switch, je te promets que là pour le coup on te voit plus jamais quoi. Il est probable, attention, probable que du coup, je prenne la Switch juste et je la rends quand il y a Animal Crossing bien sûr, pour faire FF7. Je dis bien, peut-être. Faire FF7. Si ça va. Le remake? Non, sur celui que j'avais pris sur la Switch. Bah, fais-le en émulation, pourquoi tu t'emmerdes? Sur la Switch, c'est bien, je peux jouer dans le lit. Oh, regarde-moi ça. Mec. En vrai. Mais attends, mais tu passes ta vie sur ton lit, de toute façon. Même quand t'es sur ton lit. C'est pas la même chose. Attends, c'est quoi? Attends. Engrais de base améliore un peu la qualité du sol, augmentant vos chances de produire des récoltes de qualité.
Ça c'est de la grosse amélioration. Mais en fait, c'est surtout ça qui est super satisfaisant. C'est que t'as vite du retour sur investissement en fait dans le jeu, j'ai l'impression. Putain, tu sais ce que j'aurais dû prendre, Momo, là? Sur PC, c'est un casse-dalle. Hein. Ouais. On devrait prendre des casse-dalles pour bosser plus longtemps à la mine, en fait. Attends, il y a encore des slimes, là. Quand est-ce que je sais que j'aurais buté 10 slimes? Je sais pas. Ah, j'ai le point, le point d'exclamation qui a bougé, j'ai l'impression que c'est bon. Qui c'est qui m'avait demandé en plus? C'est Clint. Je crois. Ouais, une notif. Du coup, là, c'est bon. Quand on aura cette thune, je vais peut-être améliorer mes cannes à pêche. Putain, niveau 40 dans les mines, initiation. 4 sur bah, slime, 4 sur 10. Vu que ça coûte 2000 yadars, on va en parler ensemble. C'est pour ça que j'ai dit quand on aura cette thune. Donc, je suis à 4 sur 10. Est-ce que t'es passé à 5 là ou pas, Grafian? Sans l'aval des coups. Non, 4 sur 10 toujours. C'est celui qui le finit quoi. Jamais! Je descends encore un peu, je suis au niveau 8. Tiens, maintenant je vais descendre encore direct. Je vais voir si je peux pas directement passer au niveau 10. Ouh la vache. Ah bah t'es déjà là en fait. Oui. Y'a quoi ici? Oh! Des barils, des caisses. Putain, la pierre qu'on chope, mec. Ok. Encore qu'est-ce les slimes. Y'a un truc, y'a un truc qui me bouffe, enculé. C'était quoi cette saloperie? Est-ce que t'es en train de faire niquer par une taupe? Je crois qu'il y a une taupe, elle m'a voulu du mal, mec, hein. La pute. Oh, y'a un coffre. Attends, je vais rester. Des potes en cuir. Oh, la chance. Oh, filera tes baskets après. Tu les mets ce soir quand tu viendras dans mon lit, mec. Franchement, ouais, filez des baskets, les gars. Les poteaux. Vous avez pas besoin de défense, vous? Ah mais ouais, si vous avez des bottes en cuir... Ouais, vous avez pas besoin de défense. Eh, c'est pour les mecs qui bossent. Vous êtes dans mais les champs pieds nus, la bande de gays, là. Non, non, on a besoin de défense, on est des bonnes... La mer, c'est dur. La mer, c'est dur. La mer, c'est dégueulasse. Je peux t'enfiler un truc dur, moi, tu vas voir. Arrange ta kick. Boum, bottes de cuir. Là, je suis une bombe platine, mec. Hein. Ouais. Vas-y, fais voir. Ça donne quoi, du coup? Plus 1 défense, plus 1 immunité. Pouah, mec, vous pourrez pas me niquer au prochain conseil. Et du coup, c'est bon. Et c'est quoi cette porte, là? Ah bah, je suis au niveau 10, d'accord, c'est bon. 17h30, je peux rester encore un peu ici. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de... Non, tu sais quoi? Je vais retourner au début. Je vais aller chez le forgeron parce que j'ai 3 géodes. Et ensuite, je rentre à la maison. Tu veux voir le temps? Voulez-vous... Je vous file le poisson... Il ferme à 18h, je crois. Oh, l'enculé! Yes, c'est là. De quoi, pardon, je t'ai pas entendu. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais dire, justement? Bah non, mais je vais leur filer du poisson, comme ça, au moins, ils pourront bosser plus longtemps s'ils ont à bouffer. Bonne initiative, gamin. J'aime ton idée. Tiens, du réfort sauvage. C'est très bon. Tu sais que t'es en train... Mais non, tu sais quoi, mec? Vends le plus. Nous, on peut trouver des trucs d'ici là, en fait, par terre, okay, littéralement. Donc, il vaut mieux que tu le vendes pour qu'on ait de la thune. Le burger qui traîne. Ouais, nous on va trouver des trucs par terre, il y a du réfort, il y a des radis. Et du coup, Momo, la guilde des aventuriers, c'est juste à côté de la mine en fait. Ok. C'est juste à droite de la mine. Par contre, là je crois que je suis dans une zone de boss. Ah, ouais, moi je peux pas venir. Bah, remarque si je peux venir. Ouais, non, je peux pas venir. Oh, quoique si, remarque, je peux venir. C'était niveau combien? 11. Oh, pitié. Je vois, quand je suis rentré dans le truc, ça m'a dit, eh, cette zone est envahie par les monstres. Attends, j'arrive, attends, ne fais rien de drastique. Ah mais non, en fait, non, y'a rien. Ah mais non. C'est un prank. Tac. Oh, c'est marrant, putain. Tu sais, ça fait vraiment spelunky pour le coup, quoi. Cette zone est envahie par les monstres. Ah oui, niveau 12. C'est quoi, j'imagine Ruru dans le jeu, enceint, il se bat avec son enfant dans le bide et il crie « Attention, une taupe ». Bah ouais, y'en a une qui m'a bouffé le tendon d'Achille, mec, j'ai pas rigolé longtemps, hein. Y'en a une autre là-dedans, là. Attends, oh ouais, salope. Oh putain, ouais, y'en a deux. Tape la taupe. T'es un peu Anya de Wolfenstein, du coup. Quelque part, ouais. Pourquoi j'ai pas compris? C'était pas la meilleure scène. Parce qu'elle est enceinte, elle est à combat. On peut pas prendre... Parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir débloqué le carte, même là. C'est des pires scènes du jeu. Oh putain, c'est quoi? Oh, reviens. Il y a un genre de putain de moustique qui m'attaque, sa mère. Mais t'es où? Niveau 12, pareil, j'ai pas bougé avec les petites fleurs. Nique ta mère, Vous avez des épées ou des trucs du genre? Ouais, il file une épée. Ouais, on a des épées, ouais. Allez, je me casse. C'est bon, je l'ai éclaté en fait. Avec la foule, putain. C'était pas super impressionnant en fait, mais c'est juste qu'elle m'a fait peur au début.
Et du coup, je peux pas. Hors service. Ouais, non, c'est pété. Ok, le truc est toujours pété. Allez, on va dormir. Putain, il est 21h. Faut qu'on se grue. Faut que j'aille chez le. Faut que je rentre. Ouais, moi aussi, pété. Attends, j'y piche. On arrive, nous. Ah, vache. Je me fais péter la gueule par un moustique énorme. T'as vu le truc, mec? Je peux les foutre sur ma canne à pêche nulle? Non. Bah, j'ai pas réussi, moi. J'ai pas réussi. Bon, bah. T'es allé voir dans tes touches au pire, dans tes raccourcis. Peut-être un sous-menu qui est planqué dans une touche. Moi, à mon avis, ça m'étonnerait et je pense que t'as faux. Ouais. Il faut l'améliorer. Le machin, il pique pas, il t'empale. Il y a de la chance que j'aime bien parce que. Je l'ai reculé sinon. Ah putain. Bah, surtout un moustique de 140 kilos, c'est vrai que tu fais gaffe un peu. Bon, je sais pas si je jette la pierre ou pas. En fait, on récupère pas vraiment de trucs à jeter direct. Enfin, à vendre direct, nous. Ouais. Donc, à part les la pierre monstre. Les pierres, au pire, mec, fous-les dans tes coffres parce que ça va servir au craft après. Ouais. Genre le slime, je pense que je peux le foutre. Mais le quartz, il va falloir que je le montre à Gunther. Et le poireau, je le garde. Donc, je vais manger le poireau. C'était bon. Il arrive, il mange le poireau. Au pire, mange-moi le poireau. Ok, Jules. Allez, on va dormir. Attends, je mange un peu d'algues avant. Ah, il a le petit hinche en plus. Yes. Toi aussi, tu fais un petit feu dans ta maison. Ce mec, c'est répliqué. Ah, quel con ce gars, mec. Quel con ce mec. Ouais, quelque part, c'est un génie. Hein. Oui. À sa façon. Niveau 1 combat, mec. Nouvelle fabrication de bac solide. Solide. Liquide. Mec. Attends, nouvelle recette de fabrication arroseur. Nouvelle recette de fabrication une machine à mayonnaise. Oh. Mais si, le de mayonnaise au tronc. Ok, Pavel. Merde, attends. Okay. La fameuse machine à mayonnaise, quoi. Mais mayonnaise machine. Mec, on va se faire de la mayo. Ah, j'ai la dalle. Si on n'a pas dans nos casse dalle quand on va à la mine, poteau. Mais attends, je vais regarder comment ça se fait. Là. Vas-y, je vais aller voir le forgeron. Si je vais aller voir Gunther, je sais pas si je vais passer beaucoup de temps à la mine du coup aujourd'hui. Non. Par contre, les machines à mayonnaise, quand t'as des poulets, c'est hyper. Quand t'as des poulets, c'est quoi ce délire? Pourquoi il pleut des trucs de. Cerisière? C'est la printanierie! On est dans la printanierie là? Ouais, mais c'est pas un jour de fête aujourd'hui. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Les enfants et les parents sont au rendez-vous. Au gandé. Ah, mais les gars, vous êtes pas festifs? Non. Wakanda. Non, on est le 11 et y'a rien, mec. Hein. Hier, c'est l'anniversaire. Non, c'est dans 2 jours la fête des œufs. Et vous allez vendre des bêtes au marché aux œufs. Bah oui. Parce que s'il y en a qui vendent du lait, je vois pas pourquoi je pourrais pas vendre des bêtes. Je peux encore aller à la pharmacie. Ah, va au cerisier, peut-être. Celui que je voulais couper, tu crois? Vas-y, je vais voir. Celui. Oh non, y a pas de touche pour des sous-parties. Il était hal. Ouais, bah non, y'a rien. Oh, non, c'est quoi ça? Ça se creuse, ça, tu crois? Non, c'est de la merde. Non, y'a rien. Je peux même pas le tabasser. Ah bah non. Ah bah non. Bon bah tant pis. Est-ce que tu penses que je peux retourner dans le centre communal et que maintenant qu'on a des épées, ils vont nous faire spawn des rats? Oh la vache! Alors, papy? Ah, il m'a piqué celui-là. C'est toujours un hôtel magique. Oh, j'ai un tapis rouge. Bah attends, c'est pas celui que j'avais dans ma baraque et que j'ai enlevé. Quel gros tapis. Really tie the room together. Petite ah bah si, en fait, je me disais que j'avais plus de tapis. Quel homme. On peut pas les tourner, non. Allez, je descends, je vais aller voir le forgeron. Faut aller voir le sorcier. Mais j'ai été le voir, le sorcier. Attends, j'ai perdu ma hache préférée. Si vous la retrouvez, veuillez me la rapporter le plus rapidement possible. Mon travail est très difficile sans ma hache. Il y a 250 PO pour celui ou celle qui la retrouve. Et moi, j'ai pas le temps de m'occuper des prophéties, etc. Faut que j'aille bosser à la mine. Et du coup, 1, 2, et 8. Il te donnera la capacité de lire des plaques. Ah, d'accord. Et tu m'as dit qu'il était où, du coup, l'autre con? D'accord. Le sorcier, il est le sorcier, ouais. En bas. Faut, tu descends de ta maison, là, tu sais, tu vas tout vers le bas et ensuite vers la gauche. D'accord, ok. Bah écoute, j'irai voir tout à l'heure. Vas-y, éclate-moi ces géodes. Oh, c'est quoi? Éclate-moi les géodes. Oh, de l'ardoise! C'est quoi? Or piment. Minéral.
Oh, c'est cool. Ah, de l'or piment, moi aussi. Vas-y, faut que j'aille voir Gunther maintenant. Gunther. Allez, Gunther, donc il faut que j'aille voir Gunther pour le quartz, l'or piment et l'ardoise. Oh, you touch my geode. Faut faire don au musée, mec. Oui. J'ai pas trop envie. Pas pourquoi. Nouvelle récompense. Ok. C'est bon. La fête des œufs, dis plutôt qu'ils ont pas pu mettre la fête de Pâques. Oui, sans doute. Ouais, c'est vrai, Pâques, c'est copyrighté en plus. Oh, des graines de chou-fleur. Surtout qu'ils ont dû se dire non, mais moi je suis rebeu, comment puis-je m'amuser à la fête de Pâques? Comment puis-je? La Pâques, c'est la fête des chiétanes. Il y a qu'un mec qui est sur le jeu, je crois. Et il est californien, donc c'est possible. Putain, on joue à un jeu d'un mec californien. Ouais. Tu sais que c'est plus ou moins le Nord-Pas-de-Calais des États-Unis quand même. Non, ça c'est la Floride. Merde, oui, c'est Florida Man, c'est pas California Man. Mais Californie, c'est un peu. Putain, je suis pas un fléton. Bah, c'est les hippies quoi. Ouais. C'est un peu Reine 2 des USA. Ouais, c'est ça. Avec un peu plus de soleil quoi. Avec un peu plus de soleil, ouais. Je vais foutre des graines de chou-fleur dans ton coffre, Spider. C'est trop pédé, ça. Allez, encore, mec. Une fois, je vais les faire pousser. Je vais y aller avec les deux mains de ta mère. Non, je peux. Non, les deux mains de ta mère, la pute. Tiens, ici, tac. Quoi, allez, prends mon chou-fleur, prends mon chou-fleur. Allez, je descends. Tout en bas, à gauche, le sorcier, c'est une espèce de tour, tu peux pas l'arrêter. Ah, merci. On a l'impression d'avoir demandé mon chemin à quelqu'un dans la rue, tu sais. Alors, tu vas tout en bas, tu prends à gauche, tu peux pas la rater, c'est une grande tour. Ok, attends, parce que déjà, je suis en train de me paumer dans ma propre résidence. Pour la machine à mayonnaise, il me faudra des cristals de terre et un lingot de cuivre. Des cristals, c'est un succès. Un cristal de terre, un lingot de cuivre, 15 pierres, 15 bois, ça c'est bon. Et ça transforme les œufs en mayonnaise. Un arroseur. Et du coup, si vous avez un lingot de fer, un lingot de cuivre, ça peut arroser automatiquement. Ce qui est pas dégueu. Je crois qu'il y a des égouts en fait juste en dessous de chez nous. Et Gunther, il a la clé. Oui, on dirait un peu Little Miss Fortune, la meuf, ouais. De ouf. Mais du coup, qu'est-ce que je vais branler, moi? Parce que là, c'est bon, mes récoltes, elles sont bonnes. Tu te l'as coulé de ouais, ça m'intéresse pas, Moi, je vais aller me droguer avec le... Avec le mage, là. Ok, donc c'est à gauche. Ah, attends. Non, parce que j'ai peut-être pris à gauche un peu vite, du coup. C'est par où, c'est par là? Je sais pas ce que je vais foutre maintenant. Il est où le grand mage? Je veux qu'il m'éclate les six naps. Oh, c'est un woodpecker! Oh, petit oiseau, petit oiseau. Bonne nuit, ta mère. Super, il m'envoie chier, le petit oiseau. Fais chier. Tac, voilà. Oh, un pissenlit! Attends, peut-être que je regarde ma map, remarque, il est marqué. Oui, voilà, et en fait, il est marqué depuis le début, je sais pas pourquoi je me fais chier. J'oublie qu'il y a une map en fait dans le jeu, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est un cadeau qui est trop grand pour nous, humble travailleur de la mine. Bonjour, monsieur le magie. Encule-moi, mec. Fin, bah les couilles. Je peux respirer tes vapeurs? Non. Il y a beaucoup de mystères qui nous entourent, il faut être patient si tu veux découvrir. D'accord. Très bien, donc toi par exemple, tu fais de la magie, quoi. D'accord. Dans ta vie, tu fais... Tu magies. Qu'est-ce que tu fais? Il y a que en ceux qui j'ai confiance qui ont le droit d'entrer ici. Bah, t'as pas confiance en moi. Tu viens de me faire bouffer ton GHB, t'as pas confiance en moi, tu fous de ma gueule. T'as passé la cinématique où tu te drogues. J'avais pas besoin de montrer ça à des mineurs, mec. Mineurs. Où est-ce qu'on voit pour acheter des trucs de ferme du style des poulaillers ou quoi? C'est en bas à gauche, je crois, sur la map. Vas-y, je vais essayer. C'est qui? C'est la ferme de Marny, je crois. Casse-toi, Léa, là, vas-y, nique ta mère. Par contre, ça a l'air d'être une grosse feignasse. Mais attends, sur la description, sur la map, c'est ouvert de 9h à 16h la plupart du temps. Ah oui, d'accord, ouais, c'est une... comment on dit une... Ouais, donc voilà. C'est ici, la ferme, tu crois? Je dois pas parler aux inconnus, bah m'inquiète pas. Oh, y'a un petit cochon! Oh, bah salut! Ah oui, attends, y'a un cochon, mais il me met aussi des fois. Bonjour madame! Qu'est-ce qui se passe? Magasin d'alimentation et fournitures? Attends, achetez les animaux! Qu'est-ce qu'on peut. Attends, hey, gros cul, reste là! Non mais reste là, gros cul! Attends. Combien pour acheter les trucs? Mais elle s'est barrée, cette espèce de débile! Viens, je veux t'acheter des trucs! Ah bah oui, 16h, mec!
On l'a loupé de 10 minutes, poto. Oh, la on l'a loupé de 10 putains de minutes. Ah, fais chier. Bah écoute, demain faudra que tu viennes voir pour acheter des trucs de la ferme, quoi, et puis on prend... Mais je crois qu'on peut pas acheter de... Faut construire. Bah ouais, mais comment? C'est ça le problème. Bah voilà, y'a Pounce qui pleure, bravo. Prends-le, mais on peut pas voler des animaux, Pounce. On peut les violer? Comme oui. Dans Calvaire, Pounce. Mais qui a dessiné une bite? Attends, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, je crois pas. La collection, quitter le jeu, non? Carte. Oui. Pas ce film, putain merde, j'ai loupé ma bite. Bon, je vais laisser ça comme ça, tant pis. Je suis mal barré pour ma bite, donc j'arrête. Donc j'ai de l'or piment toujours, du quartz. Minéral est très utilisé dans l'industrie et la médecine traditionnelle. Waouh, putain, waouh. Wow. Eh bah écoute, pour l'instant... Attends, c'est quoi ça? Attends, merde. Ajouter ta existence, choix de couleur. Ouais, je sais pas, rouge, pourquoi pas. Non, tiens, je vais le foutre, parce que l'autre, il a déjà son coffre rouge. Organiser, ok, bon bah écoute. Ouais, bah je me souviens plus, ça m'a saoulé de rechercher dans ma tête, donc... Alors... bah écoute, je sais pas quoi, trop quoi foutre pour l'instant. Je vais aller voir en ville s'il y a des gens qui font des trucs. Vous pouvez pas aller à la mine? Bah il est déjà 18h30 mec, j'ai pas envie de passer ma nuit là-bas, tu vois. Eh Manu, tu descends. Pourquoi faire? De toute façon, on va continuer encore un petit peu, puis on va couper un moment quand même. Ouais, parce que moi, j'ai mal au crâne, je suis claqué et j'ai envie de manger. Eh bah écoute, on passe un jour encore, Dak. On va bosser à la mine et ensuite on coupe, ça vous dit? Mec, attends, oui. Yo, attends, on va quitter le jeu. Ouais, mais attends, mais demain c'est la fête des œufs, wesh. Eh bah écoute, on coupe à la fête des œufs. Ouais. Mais franchement, si j'ai pas pu ramasser ma haricot, je défonce tout ou pas. Mais non, mais on continue à jouer hors stream, mais juste pas maintenant. Ah, d'accord, okay. D'ailleurs, j'ai changé de filtre anti-pop, est-ce que ça s'entend Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Fous de ma gueule ou non? Ok. Okay. Tu vas faire du graveyard demain en solo ou non? Non, parce que demain on va faire le Forgecast surtout. Du graveyard, il est toujours sur mon bureau Graveyard Keeper parce que je savais pas quand en faire. Mais je pense si genre un samedi on n'a pas de comment truc de stream prévu ou quoi, je pense que je ferai une petite partie de Graveyard Keeper parce que pour le coup c'est vraiment chill. Mais pour du coup si je suis tout seul c'est un peu moins ouf, tu vois. On peut faire comme MGS où on critique derrière. Putain, donc je vais bosser pendant que vous me critiquez et bien. Ouais, mais deux fois dans la semaine, écoute. Ça pop pas? Bon, bah écoute, si ça pop pas, c'est parfait. C'est un truc. Fais à base de pop, 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 pop. À base de pop, 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 pop. Ça pop, 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 pop. Bah, ça fait des pics, quoi. Ça fait des... Ouais, mais ça va, quoi. C'est... Ouais, non. Ok. Parce que 100, ça s'entend beaucoup, quand même. Ah bon? Ouais. Dis pas de poule, vous en referez pas en stream. Peut-être. Si, on en fera en stream, ouais. Bien sûr. Mais c'est fort probable, là, pour ce soir. À moins qu'on se refasse une partie à côté. Non, justement, on va continuer cette partie-là hors stream. Ouais, et pour un autre stream, on va prendre. Parce qu'il y a plein de trucs différents en fait. Genre, il y a une map. Enfin, là, on a pris les fermes standards, donc on a le village et tout. Mais il y a une map où dès que c'est la nuit, il y a des monstres qui sortent pour venir te foutre la merde. Donc, ça par exemple, ça pourrait être vénère. Et non, on fera d'autres streams dessus avec d'autres. D'autres façons quoi. Limite, ce qu'on peut faire, c'est que, genre, par exemple, là on fait le stream. Bah, du coup, on a fait celui sur la ferme standard. On continue à jouer sur celui-là. Le prochain stream, on fait celui sur avec les monstres. Et au pire, genre en fin de stream, on peut montrer à quoi ressemble notre ferme maintenant qu'on a bien avancé. Ouais, c'est possible ça, de ouf. Mec, le pips, il est tout le temps stream, moi se trouver. Qui c'est qui dort? Hop là, passons. Vas-y, putain, mec. C'est cool. Le plus gros de tous, il est en train de nous pousser. Vas-y, mec, fonce. Exactement comme avec mec, je rapporte trop de thunes. Super, ça me coupe top. Tu rapportes écoute... trop de thunes, t'as rapporté 300 balles, calme-toi, pote. Pendant que nous, on en consomme de la thune. Allez, c'est la fête des œufs, vite dans vos villages, mec, il va y avoir des œufs. Faire des cadeaux là. S'il a fait 10 œufs. Bonjour Monique, et demain nous organisons le festival des œufs sur. Demain? Mais c'est demain aujourd'hui. Oh, une canne à pêche de l'eau. Ah non, mais oui, attends, c'est vendredi 13, enfin c'est samedi 13, c'est pas le 12. Mais attends, mais hier c'était au jeu. Hier c'était demain. Quoi? Non, hier c'était le 11. Là on est le 12, du coup c'est demain. Mais pourquoi hier c'était demain alors? What? T'es sûr que t'avais bien lu? Bah c'est toi qui me l'as dit donc. Non, c'était après-demain. Enfin j'ai dû. Bah non, mais attends, ça fait un moment que j'ai maté le calendrier en plus.
Attends, c'est quoi ce délire? Attends. Ou alors on l'a loupé. Non, c'est bien demain. C'est bien demain. Ah hein. Oui, c'est bien demain, ouais. Et le 24, il y a la danse des fleurs, faudra qu'on y soit. Hein. Je suis sûr qu'on va rencontrer des mecs trop mignons, par contre. Ta gueule. À la danse des fleurs, putain. J'espère qu'il y aura toute l'équipe de basket pour me choper en boucle, mon gars. Derrière le stade, là. Derrière le stade de Mougier. Celui où il y a de la boue et les gens, ils font jamais de foot là-bas, du coup. Comme dans Crank, au final. Comme dans Crank. La meuf qui se prend sur le truc de... comment dire, truc de chevaux, là. Ouais, le course hippique, mais... ouais. L'hippodrome, ouais. Mais c'est utilisé, du coup, là-dedans. Bah déjà, parce qu'il y a baisse dessus. Pendant qu'il y a les courses de chevaux, d'ailleurs. Bah oui. Et qu'il y a une énorme tub de cheval. Un plan kékette. En gros plan. Ok, allez, c'est parti. Un plan kékette. C'est vrai que ça manque. C'est vrai que c'était un plan kékette, hein. Et toi, ce plan kékette, force from the start. One perfect plan kékette. Faudrait lancer ce compte YouTube, Twitter, tu vois. Parce que one perfect shot, c'est mignon. Mais one perfect plan kékette, où on répertorie que les plans où on voit des zizi dans les films. Ouais, non, mais... Ouais, je pense qu'on se ferait strike assez rapidement. Bah, c'est rien. Si c'est des films. Je te parle pas de montrer des grosses productions de Peter North, alias Le Sceau. Oh, c'est dégueulasse. Ah bah attends. J'ai pas la ref, là, je t'avoue. T'es, c'est bien. C'est un acteur porno et on l'appelait Le Sceau à cause de la taille de ses éjaculations. Ah. De rien. Hein. J'ai appris des trucs. Bon, il faudra aussi que je chope... Oh putain, attends, y'a le moustique. Salope de moustique. Fumez-lui sa mère. Pourquoi elle fait un bruit de F1 C'est l'Oda. Ouais, c'est bon. Cramus. Putain. Là, il faut qu'on en parle demain de Rush, d'ailleurs, parce que c'était cool. Il y a beaucoup de trucs à parler. Attention. Voilà, journal mise à jour, c'est bon, je suis un héros maintenant, mec, je crois. Il faudra qu'on parle de Crisis Young aussi. Oui, mais... bah, j'ai noté Crisis Young, moi. Moi aussi. Ah, j'ai mal à l'oreille. Ah. Ok, c'est rien, la douleur, c'est rien. 16 panais. Oh, je trouve une torche. You want a bucket shot? One batch. Two batch. Penny and dime. Penny, c'est petite pièce et petite monnaie. Penny et petite monnaie. God putain, damn. Y a un carrosse. Un carrosse. Carrosse. Putain, elle vend des pommes de terre. Le carrosse. Putain, on peut acheter une bague de mariage, mais la recette. La recette d'une bague de mariage, mais y a pas de recette pour ça. C'est le bonheur. Mec, y a une graine rare à 1000 balles, à semer en automne, besoin de toute une saison pour pousser. Et c'est moi le dep. Oh putain. En plus, faut pas rigoler avec Johnny Depp parce qu'il s'est fait tabasser par Amber Heard, ok? Ouais, il s'est fait victime. Franchement, c'était trop triste, l'enregistrement, mon gars, comment il se fout de sa gueule, c'est le mec qui laisse tomber, quoi. Crêpe des Caraïbes. Elle s'est pas fait vanner par Fatal. Merde. Elle usait des savons, c'est. Oui, c'est des brûlures indiennes. Ouais, voilà. Des savons. Sur le crâne, là. Des cocos, c'est des cocos, ça s'appelle, mec. Sous les cocos. Sous les cocos, sous les poux, sous les poux. Sous les cheveux de Johnny Depp. Au bon lait de coco de Johnny Depp. Et bronzé au lait de coco. Oh, vos gueules. C'est à cause de... L'ombre des oiseaux. Non, c'est à cause de Lucian. Caresser sa peau. Non, c'est à cause du mec qui a mis le lait de coco sur le bronzé au lait de coco. Mais genre, non ironiquement, je trouve que la chanson, elle est géniale. Mais elle est cool. Non ironiquement, je trouve que t'es vachement pédé. Ouais, ouais, alors. Mais quoi, c'est un mec qui met une meuf qui bronze. T'as jamais fait ça, peut-être. Ah, bronze au lait de coco, mais putain. Ah ouais. C'est quoi le souci? Ah, mais non, mais. Quoi, t'aimes pas les filles des îles? Non. C'est ça, t'es raciste. Moi, pas de l'eau de Fidji. Ah, c'est juste ça le paramètre en fait! L'ombre des oiseaux! Poun, c'est par l'enchétane! Père Tégère! Non, j'ai très très! Baba Knaï! Nine, bye bye! Cadeau! Putain, à chaque fois que je vais la voir, je vais parler comme ça! Cadeau! Pour la soirée Bloodborne, ça va être cool! D'ailleurs, quand est-ce que vous faites votre soirée Bloodborne? Bah, je sais pas, quand madame décidera de bouger son gros yonf. Tout le monde en veut voir ça, hein. Moi le premier. Comment on descend? Ah oui, faut éclater les. Ah putain, je suis en train de me faire manger par une taupe salope là. Et il allez existe, et si il existe, pense. Parce que j'ai joué une fois avec elle à Bloodborne. J'avoue que c'était sympa.
J'avoue que c'était cool. Dans le sens marrant ou... Dans le sens où il y a eu beaucoup de courses en rond, il y a eu beaucoup de hurlements, de panique. Il y a eu beaucoup de « je fais quoi ?» Ah, ah, ah. Non, c'était vraiment cool. Elle a pas stayé une live longtemps, mais c'était cool. Non mais en plus, moi comme je connaissais rien au jeu, si toi tu peux la guider mieux, tu vois, je pense que ça ira bien, tu vois. Oh, tu sais... Vas-y, je te le permets. Franchement, je te permets celle-là, vas-y. Tu sais, je suis un petit peu pédagogue. Déjà, du nom. Ah, je commence à être épuisé, je vais manger un poireau. Ah, bah voilà! Et une jonquille. Non, un pissenlit. STP, j'ai réussi à me cacher d'un loup qui était apparemment obligé de te pécho. Oui, le premier loup, tu sais, quand tu te réveilles dans la clinique de Yosef K. Non, tu peux le filmer. Et oui, non, mais oui, elle bah, oui. Putain, ouais, t'es vraiment un pro-gamer, Yadar. Hein. Et ouais, elle s'était barrée en fait, elle avait skip. Elle a réussi à se barrer par les portails. Plus bon, Yadar. Hein. Performance à Bloodborne. Il y a les enregistrements. Oh c'est quoi? Oh putain, il y a des petites chenilles. Mais il y en a qu'un seul malheureusement. Les petites chenilles. Tes trophées PSN n'indiquent pas. Je t'encule, viens à la maison, on le finit. Tu peux le faire toi-même. Allez, viens. Non, pas le streamer par contre. Je prends. On va jouer à Bloodborne, tu vas me gueuler parce que je suis nul. Oui. Pourquoi il y a une sorte de mine en haut? Près de chez nous, au-dessus de ma baraque, mais je sais. Y'a rien dedans en fait, c'est chelou. C'est pour les champions. Bonjour le low cost. Yes. Demain, on réunit la fête du village. Vous devriez venir entre. Bonjour le low cost. Vous devriez venir entre 9h et 14h si vous souhaitez y assister. Ok, donc 9h14h. Y'a beaucoup d'ennemis ici, y'a beaucoup d'ennemis, sa mère ici. Par contre, personne file à boire au chien. Il est en train de crever de soif. Mais il se démerde, on fait comment nous? Bah, on boit pas. Bah voilà. Mais prends exemple. Putain, y a du monde. Y a du monde. Ouah, des germes de riz et de la viande dans le sec. Une voiture télécommandée. Voilà. T'as eu une voiture télécommandée? Non. C'est une référence au Palmacho quand ils ouvrent leur cadeau de Noël. Pour accéder à la mine via les wagons plus tard. D'accord. Les wagons. Les wagons. Ça ne se prononce pas wagon. Parce que c'est un W, pas un W. Tu vois, quoi de moins con. Quand tu mets deux V l'un à la suite de l'autre, tu fais vvv, tu fais pas vvv, complètement con. J'ai envie de t'éclater. Non mais ça m'énerve. Mais ça s'écrit pas wagon. Ils sont cons ces Belges. Mais ça s'écrit wagon. On dit bien un iceberg. Ah, Momo il est fatigué. Momo il pionce à 17h20. Attends, je vais continuer juste à visiter là un peu. Je peux le comprendre, quand t'as envie de te coucher, qu'il est à 17h, je serai allé à 19h. Putain, non mais ton problème c'est que tu fais ça IRL toi, donc personne te croit. Bah oui, non mais justement c'est bien. Petite sieste. Même toi, tu rajoutes 3 heures après aussi. C'est vrai que la sieste à 17h, c'est pas mal. Elle fait 17h à 2h du mat, je te promets. Il la maîtrise de ouf. C'est une technique. Attends, je vais pouvoir parler à Clint. Maintenant, du coup, genre... je m'endors genre vers 17h. Tu te réveilles à 20h, tu fais... Je suis bien. Et après, tu manges un truc ultra lourd. Et comme ça, tu t'endors sur le champ. Oh putain mec, je suis dans la jalousie de ta vie quoi. Je te promets. Mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vécu. Le mec en fait il fait un coma comme les gars qui mangent du pitopat quoi. Les gars, il est juste dans un coma de bouffe. Oh putain, je vais dormir. Mec, je peux te dire, le lendemain tu te réveilles, t'es frais. Ah t'es bien frais comme mec, un lardon. Il mange bien, il se met dans le lit avec la Switch. S'endort avec. C'est moi qui l'ai, donc il se met dans le lit avec je sais pas, oui, bordel, avec rien. Bichette Lizarazu. Prévois un autre truc un jour si on va faire Bloodborne, parce qu'on va passer 4 heures sur le niveau de base, ça va être insupportable. Mais hey, si Paige, la copine attardée de Pat, elle a réussi, franchement j'ai pas envie de dire que tu peux aussi, mais bon tu peux aussi, t'as tes chances. Oh, une cuillère rouillée! Ouais, trop bien, eh. Toi, par contre, franchement, ça a mal se terminer. Déjà que ça a mal commencé. T'es pas le héros de l'histoire. Hein. C'est moi mon dur. C'est moi mon dur. Oh putain. Tabarnak.
Allez, on va se piloter. Eh, hey, faites des œufs demain. On va se coucher pour de vrai. Attends, mec, elle a fait des œufs. Quoi, les gays? J'ai rien fait, moi. Non, mais c'est Momo au pluriel. Momo au pluriel. Du slime et. Ok, cuir rouillé, il faut que, je donne ça à Gunther. L'ombre des oiseaux. Prévois un autre. Oui, non, mais de toute façon. Oui, mais on avait déjà prévu un autre truc, mais bon, tu ne t'en souviens pas. Oh, pas comment grave. Il l'a mal pris. C'est pas grave, t'oublies tout. J'y pense, puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Tiens, je vais te foutre aussi des germes de riz encore dans ton coffre et tu te démerdes. Ils sont comment vos plans là? Oh putain, attends, il y a encore des petits. T'avais dit qu'on faisait un jeu à toi. Si Bloodborne ne plaisait pas. Allez, on y va. Alexandra Lenormand, vite. Putain, il est précis. Oh le chien, il est dans mon lit. Ta gueule d'or. M'en fous. Ah, mais t'as dormi quand même, donc quelque part. Allez, fais des œufs. Il est dans mon lit pendant qu'il est dans sa prairie. Ok. Oh putain. T'as vu, elle est panée là, 1300 balles. C'était bien à L8. Franchement, je te crois. Franchement, je te crois sur parole, Pouz. Je te crois sur parole. Arrête. L'ombre de des oiseaux. Ça sent le chien. Caresser sa peau. C'est où les œufs? C'est où les œufs là? Vas-y, je veux voir les œufs. Je veux dire que t'as envie, je veux voir les œufs. Moi, je vois pas. Oh, y'a un petit lapin qui court. Je vais l'enculer, il est où? Y'avait un lapin. Sur ma vie, y'avait un lapin. Sur ma vie, j'ai vu un lapin, là. Tiwol, là. Ça fait 10 panais. Festival d'aujourd'hui, de préparation. Mais Nick Taras, c'est combien de temps? C'est où? C'est à 9h, Putain, mais vas-y, on a 3h à casser, là. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on va faire des combats de bites. Viens, on fait un combat de chibo. C'est quoi? Oh putain, je peux même paniquer. Tiens, je me casse. Je rentre en. Oh putain, maison. Attends, il y a des poireaux là-bas. Ah, ils sont à moi, ta mère. Alors, du coup, hors service. Ok, là, c'est hors service. Bon, c'est cool, je vais avoir plein de bouffe pour le prochain tripalamine. Tripalamine, on dirait un nom de médicament, non? T'avais pas du tripalamine chez toi, Pounce? C'est quand? Vas-y, c'est 9h ou pas? Vas-y, attends, je vais me rouler une clope pendant que c'est 9h, tiens. L'ombre des oiseaux. Tiens, je vais la foutre en thème pour la fin du stream. tranquille, Starscream. Pardon. Starscream. Tu fais toujours le coup à ton père, à ta mère. Tu vas finir sur Cybertron, ça continue comme ça. franchement, t'as pas le droit d'aussi bien connaître. Mais j'aime bien Transformers, j'y peux rien. Mais je suis très net. Mais si, je suis très net. On dirait genre un médoc contre la constipation passagère ou un truc du genre. Si c'est passager encore, ça va, tu vois. T'as un petit bouchon de cul, c'est tranquille, tu vois. Le fameux bouchon du Hulk. C'est marrant, le bol duc. C'est dans Harry Potter, ça. Ça m'a eu, j'avoue, ça m'a eu. Ah, le bol duc, ça m'a eu. Eh, qu'est-ce que vous voyez, là? Des nuages? On dirait pas du tissu? Rigole pas! Je suis en train d'essayer de calculer combien il me faut de panais pendant Claudie. Tiens, voilà, elle a fait des œufs. Elle a fait des œufs, elle a fait des œufs. Et 1 sur 4. Et je me demande ce que je vais voir. Ah, Pounz. Allez, vas-y, je vais voir les œufs, moi. On attend des autres joueurs. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, faut qu'on y aille aussi. Ah, bah, elle a fait des œufs, c'est pour tout le monde, hein. Momo! Bah, je suis là, hein. Ouais. Ça ne marche pas cette fois. Allez là, il est 9h30, on est en retard, putain, on va se faire niquer les œufs là. Ah, mais c'est moi, je suis court là. Regarde-le là, l'adolescent. Ah, c'est bon. Pourquoi t'es habillé comme Jotaro par contre? Oh, mec, un magasin de. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a la sangria, je vais déglinguer. Oh, il y a un lapin en peluc. Il y a un flamant rose au cher. Putain, on peut rien faire. Oh, il y a un vieux. Pourquoi tout le monde est si heureux? Ah, c'est Spider ça. Faut parler à tout le monde histoire d'avoir le plus de connaissances. Chercher les œufs, c'est un peu comme faire une chasse au trésor. Ouais, merci à Biguel, espèce de conne. Oh, Sam, comment il est extrême lui! C'est Satan les allergies! Ah non, il est pas extrême en fait. Vous avez l'habitude de lancer les œufs pourris. Le maire Lewis a mis un terme à cela très rapidement. Ensuite, j'ai tapé ma gonzesse, elle est morte sur le coup. J'ai demandé à la lune. Non, du coup, je me confonds. Oh, y'a un Hot Wheels! Y'a un Hot Wheels!
Attends, y'a quoi au magasin là? Lapin en peluche, flamant rose de jardin, plante saisonnière, graines de fraises. Oh, eh mec, eh, 100 balles les graines de fraises, je prends, mec. Eh vas-y, prends. Et on prend flamant rose pour le jardin, les mecs? Non! Bon, oh, quoi, je m'attends plus, je m'en bats les couilles. Non, mais c'est. Eh oh! Va chasser tes chasses, tes trucs là! C'est mon argent! C'est notre argent! Car c'est notre argent! Calme-toi, calme-toi, oh là là. Donc ça, c'est fait. Chercher des œufs, c'est comme se sniffer les doigts. Ah merde, faut, ah oui, faut quand même attendre les autres joueurs quand on se casse aussi, quoi. Attends, non, mais vas-y, on parle à tout le monde, histoire que comme ça, y a le truc des présentations, là, on n'a pas fini. Y a une mais c'est encore de la nourriture. Ouais, Clint, putain, gros cul, c'est qui, elle? Pam, j'ai rajouté un petit quelque chose dans le punch. Oh la vache. Le printemps d'une période de l'année où il y a beaucoup de travail à faire, c'est moi qui... Ça m'intéresse pas. Caroline. Salut Caroline, comment ça va? Lui il est cool. Salut. Lui. Marlon c'est mon pote. Mais mec, ma jambe douloureuse, j'aurai jamais un festival du village. En plus aujourd'hui c'est les œufs, c'est la protéine mec. Prot prot. Tu crois que tout le monde est prêt pour la chasse aux œufs? Vas-y go mec. Ouais, attends, faudra ensuite parler au maire pour commencer l'event. Non, faut parler au maire pour commencer l'event. Ils savent pas. Bah on l'a commencé là, tu crois qu'on fait quoi là? C'est parti. Vas-y au monde, vous attendez la chasse aux œufs. Vas-y, va chasser des œufs de ouf. Qu'aimez-vous les enfants? Les enfants. Allez, on va vous enculer, on est trop bon à trouver des œufs, les gars. C'est parti. Bien, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, on bronze le lait de coco et tout, tranquille. C'est un chronosme. On attend des autres joueurs. L'ombre des oiseaux. Y'en a qui ont pas cliqué. Carré, c'est ça. Moi, c'est fait. Moi, c'est fait. Moi? Oui. Oui. Ouais, cap. Drogba? Oui. Tiens, chasse aux œufs, comment? Vas-y, go 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 go! Putain, il est sous les œufs, sa mère! C'est pas des œufs! Ça, c'est des œufs, ça! Ils sont sous les œufs! Sa mère les œufs! Sa mère les œufs! J'ai un œuf! Oh, j'ai un œuf aussi! Oh, ouais, tac! Hey, ils sont putain, j'en ai un autre! Sa mère! Putain, je suis bloqué! Y'en a un œuf! J'en ai un autre! Casse-toi! C'est un œuf, ça! Pim! Deux! Ouh, y'en a un autre là! Putain, j'en ai que deux! L'autre, y'en a quatre là! J'en ai quatre, sa mère! Oh, y'en a un aussi! T'as pas l'œil! L'œil du tigre, l'œil du chibre, t'as pas l'œil du chibre. Mais regarde, il prend ma zone là, espèce de PD. Ah, nique ta mère. c'est pas du tout ça les œufs à la base. J'ai honte de bolos, c'était grand. Bim. C'est qui est PD quand on a un de moins là? Allez, encore un, encore un. Putain, y'a pas d'eau ici. Bra. Mais non. C'est dégueulasse. Salut les boys, c'est cool de voir les meufs en revenant de la jambe. Salut mec. Comment ça se passe dans les colonies? Tu vas pouvoir mater les rediffs. Regardez tous ces œufs, si seulement je pouvais... Toi, je pouvais foutre au cul. C'est Wham. Maintenant voici le gagnant. C'est Wham. Monique. Voici le prix. J'ai gagné quoi? Oh, j'ai gagné un chapeau de paille. Mais non. Mec, je suis un guerrier. Putain, fête de merde. Mais... J'ai acheté le flamant rose aussi, hein. Franchement, nique sa mère, je voulais trop que ce soit joli que chez nous. Le mec, il va juste le foutre dans sa maison. De ouf. Putain. Ah non. Chapeau de paille. Eh, je bosse à la mine, j'ai le droit d'avoir un peu de plaisir quand je rentre. Comme ton panneau, je vais le voler. Y'a pas le panneau. T'sais pourquoi je dis ça, la Magic System? Pardon. Momo. Momo, tu pionces en fait? Oui. Vas-y, on finit ça et on coupe le stream. La réponse est vraie. Oh la vache, j'ai mal à la main. C'était plus à la maître Gims. Y'a pas de panneau? Pas du tout. Mais si, t'y connais rien toi. Bon, il est 22h, on va se coucher, wesh. Pionçons. Non, attends, mais je fous mon chapeau de paille déjà d'une. Et ensuite, je fous mon flamant rose, moi. Regarde. Bim! Elle commençait trop bien chez WAM. Vas-y, je vais dormir. Allez, du coup, on va couper là, les copains. Merci d'être venus en nombre et de bonne humeur. Du coup, demain, tous les dons. Vous avez été très nombreux. Très généreux. Oui, très généreux. Très plaisir. Et demain, c'est ForgeCast. Donc, venez si vous nous avez entendu, si vous avez envie de nous entendre dire de la merde. Et puis, au-delà de ça, on vous fait de gros bisous. Et puis, on vous dit à plus. On vous en streamera. Et puis, non, vas-y, les poireaux, je les garde. Et voilà. Allez, ouais, ciao tout le monde. Bisous. Bisous. Quel bon enculé.